Mais est-il récent pour que je devienne le porteur de la technologie? Non. Wouah! Trop bien! C'est vrai qu'elle est pas mal cette cinématique. Je sens que la mise à jour 2.2 va être super. Mais non! Moi je parle du petit familier là, à l'arrière-plan! Oh, je l'ai pas dans ma collection, je le veux! Pauvre naïf, que tu viens de tomber dans mon piège. Ah, j'aurais dû m'en douter. Non, ne sois pas trop dur avec toi-même, car mon brillant stratagème était sans faille. Et maintenant, tu vas périr. Mais considère cela comme un honneur, car tu as devant toi Omégazelle, l'ultime Apollo. Oh non, mais quel abruti! Hey, oui, c'est à ton tour. Non mais j'y crois pas, elle s'est réellement endormie. Ben oui, c'est Omégazelle qui lui a dit de faire ça. Non, le plan c'était qu'elle fasse semblant pour abattre les joueurs de la coalition. Oh ben zut alors, mais comment on va faire? On va improviser. Mais c'est pas vrai, mais laisse-moi tranquille, les pauvres saloperies de la colonie. Vous deux, balancez des sorts d'attaque pour le tenir à distance pendant que je prépare une invocation. Okidoki. Attention, Couette, on est bientôt niveau 100. Il faut plus qu'on se trompe. Elle a bien dit d'utiliser nos compétences pour attaquer. Si on utilise nos compétences pour soigner, on risque de se faire gronder. Hein. Je te signale que je suis première de ma promo, alors inutile de te dire que je sais suivre les consignes à la lettre. Hein. C'est moi, je te dégage, j'ai la balance, c'est ma nuit! Oh non! Je crois qu'on a tué Omégazelle! Ah non, mais alors là, c'est sa faute, hein! C'est lui qui s'est mis au milieu! Gaïa, on fait quoi maintenant? Sparadrap! Encore ce maudit noob! Bon, si l'autre crâne d'œuf continue d'avancer à cette allure, il arrivera à distance d'attaque approximativement 14 secondes. Ivy est hors jeu et Omégazelle au cimetière. Bon, il reste plus que Sparadrap et Couette. Mais leur spéil altère considérablement notre potentiel offensif. Si on survit jusque-là, j'estime à 12 minutes et 38 secondes la durée nécessaire pour le terrasser avec notre puissance de feu actuelle. Mais c'est sans compter sur le côté imprévisible de Sparadrap, qui pourrait le soigner sans faire exprès. En plus, ils ne sont même pas assez solides pour servir de bouclier humain. Je vais forcément être exposé au danger. Oui, Gaïa, là va vraiment falloir que tu te décides, hein. Écoutez bien, je ne le répéterai pas deux fois. Sauf qui peut. Coalition ! Destruction ! Encore! No stress, man, tu fais trop de bruit. Ah, sérieux? Il a fallu que Gaïa vienne mettre son grain de sel. Ah, en donnant un ordre, un seul ordre, elle a réussi à faire capoter mon plan. Faut vraiment que Carton y revienne, là, hein. Ça peut pas durer, là, ce bordel. D'ailleurs, il est connecté, là, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il répond pas? Oh! Oh, stop, là! Mais vous allez où, là? On essaye d'échapper au vilain monsieur sans cheveux. Attends. Vous êtes en train de me dire que vous avez même pas été foutu de le régler son compte tous les quatre pour valider la quête? Oh, mais on l'aurait fait si seulement un imbécile avait pas fait échouer ce plan, déjà particulièrement bancal, en jouant les poseurs ratés. Plus un. Mais enfin, c'était une diversion pour attirer son attention. Mais j'avais la situation bien en main, figure-toi. N'importe quoi, je te signale que le seul truc que t'avais bien en main, c'était son gourdin. Hé, copain, vous êtes là? Hé, salut Dark Avenger. Un méchant essaye de nous tuer, mais on s'est tous enfuis. Tu sais, je vais te dire un secret. Même si t'as un curseur rouge au-dessus de la tête, bien avec toi, je me sens jamais en danger. Tu sais, pour moi, t'es le moins méchant de toute la coalition, hein. Mais tu sais que ça fait beaucoup de peine ce que tu viens de me dire, là, Sparadrap. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que depuis que nos routes se sont croisées, je ne fais plus peur à personne. Je sais que les gens avant t'aimaient pas trop, mais je leur ai expliqué que sous tes airs de péca méchant, il y avait un cœur de smourbif gros, comme ça. Cesse de me rabaisser constamment. Je n'en peux plus. Je suis un joueur brisé. Brisé? Mais si tu veux, je peux te prêter des crédits pour réparer ton équipement. C'est une expression, son nom, crétin. Ah? Donc content de m'avoir vaincu physiquement à de nombreuses reprises, en faisant semblant de ne pas faire exprès. Tu m'as ravagé psychologiquement. À l'époque, les joueurs frémissaient en entendant mon pseudo. Ah, c'était le bon temps. Si tu veux, je peux. Mais à cause de toi,
Les gens se gossent en me voyant approcher. À leurs yeux, je ne suis que le souffre-douleur du pire noob du jeu. Oui, mais... Je n'ai que faire de tes justifications. Je sais que t'es un faux noob, mais je n'arrive pas à le prouver au monde entier. Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas très très gentil, hein. Tu sais, je suis dans la guilde noob depuis super longtemps. Bref, c'est pourquoi j'ai décidé une chose. Si je perds encore une fois contre toi, je me retirerai à tout jamais. Arteon! Pourquoi il me répond pas, ce bourricot? Arteon! Mais en plus, je le vois qu'il est connecté, la merde! C'est quand même bizarre, ce comportement. Ça fait des semaines qu'il joue dans son coin, là. Vous croyez qu'il boude? Ah ben non, je l'ai vu il y a 3 jours, et puis il m'a aidé à faire une quête. Et puis il avait l'air de bonne humeur. Mais après, il est parti dans les montagnes de Bavlav, et puis ben, je l'ai pas revu. Tiens, voilà ce paravent. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas fait exprès. Cet arcavangeur, il a voulu jouer à la bataille, mais j'ai glissé. Et là, il m'a raté. Et quand je me suis relevé, ma tête a frappé son menton. Alors moi, j'ai voulu le soigner, mais ma barre de compétences, elle était toujours activée sur le mode attaque. Alors j'ai cliqué pour la changer en mode heal. Mais le temps que je fasse ça, il était mort. Comme d'hab, quoi. Les gars, les garces. Arthur vient de se déconnecter. Bah oui, alors, c'est pas une raison pour faire cette tête. Non, c'est pas ça, mais juste avant de se déconnecter, il m'a nommé chef de guilde. Allez, laisse-moi, arrête de me camper là, sois cool un peu. Elle est super dure, cette quête. Je le trouve pas, moi, le talisman perdu. Pourquoi tu veux pas dire à Omegazelle de venir nous aider? Oh, parce que, pour une raison que j'ignore encore, Arteon a pété un câble et l'a nommé chef de guilde. Bah, ça fait quoi? Ça fait qu'il est encore plus insupportable que d'habitude. C'est vrai qu'il a un peu tendance à abuser de son nouveau statut, là. Un peu? Il a carrément doublé le montant de la cotisation hebdomadaire. Et en plus, il veut que je m'acquitte de toutes celles que j'aurais soi-disant esquivées. C'est pas scandaleux de s'en prendre à une pauvre joueuse innocente comme moi. Moi, il veut que je fasse comme dans l'infanterie. Ah? Et ils font quoi? Ils se tirent ailleurs. Évidemment, il va tout faire pour nous pousser à quitter la guilde. Mais non, vous faites des idées. Regardez, moi, il m'a confié une mission ultra importante. Il veut que je trouve un soigneur garçon super fort et que je le recrute. Si ça, c'est pas un gage de confiance. C'est bien ce que je disais, on est tous sur la sellette. Bon, bah moi, je vais aller chercher là-bas si je trouve pas le truc de la quête, hein. À tout à l'heure. Peut-être qu'Arteon s'est fait hacker son compte. Non, j'en doute. Tous ceux qui le croisent en coup de vent disent que c'est bien lui aux commandes de son avatar. Ou alors, il a passé le flambeau pour des raisons extérieures au jeu. Non mais on s'en moque de ce qu'il a poussé à faire ça. Non mais sérieusement, il a donné la guide à la mauvaise personne. Omegazelle est égocentrique, macho, pète comme ses pieds, et pour couronner le tout, il a le charisme d'une huître bouillie. On court droit à la catastrophe avec lui. Dans un élan de lucidité, Arteon m'a nommé chef-taine de la guide. Nous allons donc procéder à quelques petits aménagements. Dorénavant, le coffre de guilde est mien, ainsi que tous vos crédits. Inutile de vous préciser qu'il va falloir farmer dur pour pouvoir récolter l'ISFG, l'impôt de solidarité sur la fortune de Gaïa. Maintenant, ça commence à bien faire. Amara, c'est à bout de patience, et moi aussi. Hé, salut, Dark Avenger. Mais t'es la vilaine dame qui a tué tous mes familiers. Hein? Ah oui, je ne sais plus. En tant que chef de la guilde des Player Killers, je ne tiens pas une comptabilité de toutes mes victimes. Méfiez-vous d'Ambroxana, il est fourbe. Non mais tu rigoles? Il a une dizaine de niveaux de moins que toi. Tu vas me faire le plaisir de le tuer et de le camper devant moi. Ouais, d'accord, mais vous regardez qu'il y ait personne qui filme d'abord. Ça sera pas nécessaire. De toute façon, c'est simple. Soit tu le tues, soit je te vire illico. Dans tous les cas, la vidéo vaudra le coup d'œil. Pourquoi tu fais cette tête, Kevin? Tu t'es disputé avec tes copains? Mais non, c'est la vilaine tueuse de familier, là. Elle veut jouer avec moi, mais moi, je veux pas. Tu parles de Roxana? Laisse-moi voir. Ah, enfin une bonne nouvelle! Daignez accepter cette modeste contribution. Je daigne. Allez hop, allons finaliser la quête. Oui, je vais entendre des cris, des os se brisser, des lames tranchées. Oh, quelle mélodie! Oh, c'est agréable! Dark Avenger! Sombre incapable! Tué! Viré! Désolé, j'ai essayé de te venger, mais ton avatar n'a pas encore le niveau pour rivaliser avec elle.
On restera une prochaine fois. Félicitations. Cet artefact va nous être d'une aide précieuse pour lutter contre la source du chaos. Voici votre récompense. Oh, c'est une nouvelle compétence, mais particulièrement utile. Gaïa, tu peux me dire pourquoi j'ai rien reçu ? Quoi ? Tu n'as pas eu ta part du butin ? C'est peut-être un bug ? Non, non. C'est juste que t'as pas partagé la quête avec le reste du groupe. Ah bon ? Qu'est-ce que je suis étourdie ? Ah non, mais ça, c'est la faute de mes gazelles. Avec toute cette histoire, là, ça m'a perturbée. J'hallucine. Je vous observe depuis tout à l'heure et j'ai pas rêvé. T'es des joueuses de l'Empire, me. Mais non, t'en fais pas. Elle est de la maison. Ah non, je crois pas. Elle a un curseur jaune au-dessus de la tête. Tu comprends pas ? C'est Dame Gaïa. C'est elle qui a posté la vidéo compromettante sur Phantom. Je me fous de ce qu'elle a fait ou pas fait. C'est une ennemie. Et moi, les ennemis, je les défonce. On est en guerre, mec. Si la coalition en est là, c'est grâce à elle. Ah, c'est ça. T'es marrant. Je suis XPTDR. Bon, maintenant, si tu permets. Je ne te permets pas. En tant que membre de la guilde des adorateurs de Gaïa, je te défie en duel. Je suis ton homme. Vas-y, Meme. Evie, va placer une de tes bombes sous leurs pieds pendant qu'ils s'entretuent. Trop pas, non. Mais pourquoi ? Primo, j'ai plus rien en stock. J'ai tout revendu pour payer la cotisation hebdomadaire. Deuxio, apparemment, t'aimes te la jouer solo. Je vais pas t'embêter plus longtemps. Oh, mais je t'ai déjà dit que j'avais pas fait exprès pour la quête. C'est un oubli, complètement fortuit. Dénué de mauvaises intentions. Dame Gaïa, je n'ai pas su vous protéger. Oh non. Evie, désolée, mais tu ne me laisses pas le choix. Mais c'est quoi cet embrouille ? C'est la compétence que je viens de gagner. Désormais, je peux contrôler un avatar allié pendant 10 secondes. Et tu penses pouvoir me vaincre avec ta marionnette ? Non, bien sûr. Par contre, ça me laisse le temps d'activer la compétence que les néo-chiciens n'utilisent quasiment jamais. Qui est ? La compétence kamikaze. C'est lourd, Gaïa. Trop tard, précieux. Tout est fini. Tu as vu la vidéo comme tout le monde, non ? Sparadrap m'a encore humilié. Et un putain de joueur a enregistré toute la scène ! Arrête, précieux, j'ai échoué, tu l'as vu. Désormais, les gens se moquent plus de moi que de lui. Tu crois ça ? Je te signale qu'aujourd'hui, un noob m'a demandé une capture d'écran. Un noob ! Tu ne crois pas si bien dire. Je fais plus peur à personne. Et pire que tout, j'ai été renvoyé de la guilde de PK par Roxana. Je souffre. C'est définitif, je quitte Horizon 2.2. Adieu, précieux. Elle est trop méchante. Je veux qu'elle tombe dans un volcan, que ses cheveux fondent, que je récupère tous ses os pour les donner à manger à mes nouveaux familiers. C'est clair, elle mérite au moins ça. Paye ta cotisation. Je peux pas. Mon compte a été piraté par Tenshiro Clacker. J'ai plus un radis. Paye ta cotisation. J'ai également été campé pendant des heures par des player killers. J'ai dû payer une fortune en réparation. D'ailleurs, rien que d'y penser, ça me fait pleurer. Je crois que je suis traumatisée. Paye ta cotisation. Oh, t'es lourd. Je te dis que c'est pas possible. Et Gaïa, je t'avertis. Je suis pas Arthéon, moi. Je me laisserai pas endormir par toutes tes histoires bidons. Et je te préviens, je lâcherai pas l'affaire. Alors les biftons, tu vas les cracher. Et à part demander du fouze, t'es pas censé avoir d'autres responsabilités en tant que chef de guilde? Ben oui, Omégazelle. Il faut que tu viennes avec moi chasser les smons bif. Et il faut que tu m'expliques plein de choses sur Horizon 2.2. Comme ça, je serai bientôt nouveau sort de ZNF. Oui, Sparadrap, bien sûr. On fera tout ce qu'il faut. Hep, 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 Gaïa.
Tu crois quand même pas que tu as nous fausser compagnie, hein? Je dois continuer sur toi mon harcèlement implacable de créancier déterminé. Tu commences à me courir sur le système, là. Tu peux pas me laisser jouer tranquillement? Tu seras peinarde uniquement quand je t'aurai viré de la guilde. Mais avant, je vais te briser mentalement pour que tu t'acquittes de toutes ces cotisations impayées. Tu t'en tireras pas si bon compte. J'en étais sûre. Tu cherches à m'éjecter de la guilde. C'est un secret pour personne, c'est inscrit dans le nouveau règlement interne. Quel règlement? Celui que j'ai rédigé de ma main pour sauver cette guilde de la déroute. Quoi? Il stipule que le simple fait d'être une fille ou un noob constitue une faute inexcusable, passible d'un renvoi définitif selon le bon vouloir du chef de guilde. Et ouais. Pourquoi ne suis-je pas surprise? Hey, salut, dis-moi, tu veux pas entrer dans ma guilde? Regarde son curseur, elle est de l'ordre, c'est une ennemie. Oui, et je dirais même plus, c'est une ennemie femelle. Je vais maintenant vous montrer comment on réagit dans la guilde noob face à ce genre d'aberration chromosomique virtuelle. Arthéon, mais c'est trop bien, t'es revenu. Mais t'es malade ou quoi? Pourquoi tu m'empêches de la zigouiller? Parce que c'est ma partenaire. T'as quoi? Je vous présente, Carrie. Ensemble, nous cherchons l'épée légendaire, Source Lame. Source Lame? Tu perds ton temps, mon pauvre vieux. Ce n'est rien d'autre qu'une vieille rumeur infondée lancée par des Kevin sur les forums. Ah, c'est pas vrai d'abord, j'ai rien lancé du tout, moi. Nous avons trouvé des indices dans des grimoires anciens qui tendent à prouver le contraire. On pense que c'est un objet unique, planqué dans un niveau perdu. On a regroupé un paquet d'informations, on a deux doigts de percer le mystère. Non, mais stop. Pause. On arrête tout. Bon, alors déjà pour commencer, à quoi tu joues là? Je viens de te le dire, je... Tu cherches une relique, j'ai entendu. Je te parle pas de ta passion de débile pour le bagand là, je te parle du fait que tu nous snobes depuis plusieurs semaines maintenant. C'est vrai ça? T'as toujours cherché des artefacts liés à l'histoire du jeu? Ça t'a jamais empêché de jouer avec nous? Tu sais, je suis triste depuis que tu nous as abandonnés. Tu me manques beaucoup. J'essaie d'être fort. Mais je pleure tous les soirs sous ma couette. Bien, cette relique là est un peu spéciale. J'en ai fait ma priorité, c'est tout. Et pourquoi t'as refilé le livre de la guilde à l'autre excité? Ah, ça je peux l'expliquer par contre. Il en avait tout simplement marre de votre incompétence et de la roublardise de Gaïa. Il fallait donc un homme de poigne pour redresser cette guilde. En fait, c'était surtout pour qu'il arrête de me harceler sur le canal de discussion et ma messagerie. C'était vraiment, vraiment insupportable, donc je lui ai donné les moyens pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. On y va, Arty? Faut qu'on vérifie notre nouvelle théorie avant d'aller faire nos devoirs. Oui, je pense que t'as raison. On va le faire ça. Ah. Arty? Mon petit sobriquet. Je trouvais qu'il m'allait plutôt bien. Dis, Kai. Oui, Arty? Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? Bien sûr, comment aurais-je pu oublier? Je crois bien que ce jour-là, ma vision d'Horizon 2.2 a changé du tout au tout. À chaque fois que je me lance à la recherche de nouvel élément du background, je me fais rattraper par mes responsabilités de la guilde. Mais c'est pas possible, ils peuvent pas se passer de moi une seule seconde. Donc je vous jure que je vais... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, j'arrive trop tard. Excusez-moi de vous demander ça, mais est-il possible de savoir ce que dit cette relique? Oh, je sais qu'on n'est pas de la même faction, mais je suis passionnée du background. Vous voudriez bien me faire la lecture? Ça parle d'une lame légendaire, mystique... Forgé par Fargoth, la première source. Comment? Vous voulez dire que Source Lame existe réellement? Mais oui, mais on dirait bien. Et moi qui pensais que c'était une fausse rumeur. Ah là là, participer à la découverte d'un objet unique serait mon rêve. Ah, moi aussi. Écoutez, je vous propose de faire fi de nos factions et de nous associer le temps de retrouver l'épée légendaire Source Lame. Bonne idée, je suis d'accord. Bon, eh bien, je me présente, Arthéon. Et moi, je suis Carrie. Je crois que j'ai compris pourquoi il a la tête ailleurs ces derniers temps. Ouais, bah je veux bien que tu m'expliques alors. Arthéon est amoureux? Quoi? Amoureux? Mais c'est impossible! Ah, mais tu as raison. Tous les symptômes concordent, hein. Sur ce coup-là, je crois qu'on l'a perdu, et pas qu'un peu. Heureusement, l'amour n'est pas une maladie incurable, et je connais le remède. Il va falloir éradiquer la source de cette perte de lucidité. D'accord, et après? C'est élémentaire, il faudra lui faire entendre raison avant que l'autre embrumeuse de cerveau ne ressuscite. Admirez le travail. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai déjà expliqué qu'elle était avec moi. Cette sorcière t'a jeté le plus vieux sortilège du monde. Tant qu'elle sera dans les parages, tu ne seras plus toi-même. Je vais être clair. Si tu l'attaques, tu renvoies de la guilde illico presto. Aux dernières nouvelles, maintenant, le chef de la guilde. C'est moi? Si tu avais lu l'historique correctement, tu verrais que je t'ai nommé officier principal par intérim. En gros, tu as les mêmes pouvoirs de gestion que moi, mais je reste le seul capable d'exclure un membre de la guilde. C'est bon à savoir, ça. D'ailleurs, j'ai changé d'avis.
J'ai décidé de nommer Gaïa à ta place. Quoi ? Écoute, attends... Écoute, t'es gentil, mais là, j'ai plus beaucoup de temps. Je dois encore aller faire quelques trucs avec Carrie et ensuite je déco. Mais il a perdu tout sens commun ! Elle lui a cramé les neurones, cette gonzesse ! Ouais, je l'aime pas non plus. À cause d'elle, Arthéon veut plus jouer avec nous. Mais j'ai un plan secret. Je vais demander au dentiste de ma grand-mère comment on fait pour se débarrasser des vilaines caries. Un jour ou l'autre, il finira bien par revenir. De toouto façon, les amourettes virtuelles sont toutes vouées à l'échec. Hein. Allons, allons, ne soyez pas aussi médisants. Il faut espérer qu'il ait trouvé l'âme sœur et que son bonheur, qui est aussi le mien, dure longtemps. Bon allez, c'est toi qui déco la première. Non, toi d'abord. Bon, on va faire un truc. On déco à trois. Un, deux, trois. Ben, t'as pas déco ? Mais toi non plus. Oh là là, encore une demi-heure avant que Karine se connecte. Le temps me paraît tellement long quand elle est pas là. Je ne suis pas sparadrap. Vous me confondez certainement avec un autre prêtre dans un autre MMORPG. Mais on peut savoir à quoi tu joues là ? Bon, d'accord. C'était moi. Je voulais te kidnapper comme maître Zen. Me kidnapper ? Non, mais t'as craqué ou quoi ? Mais t'as de drôle de délire, hein ? C'est pas pour délirer, hein ? Je m'amuse plus du tout. Je voulais te ramener à la maison pour te forcer à rejouer avec nous. J'avais même prévu des moyens de persuasion méga persuasifs. Comme quoi ? Des chatouilles ! J'étais même prêt à te forcer à manger de la soupe aux légumes jusqu'à ce que tu craques. Tu sais, je suis vraiment déterminé, hein. Je vois ça, j'en ai des frissons, on est partout. Il t'aurait pu crier tant que tu veux, personne serait venu à ton secours. Ma grand-mère est sourde comme un pot. Et en plus, je t'aurais caché dans ma chambre sous une montagne de peluches de smourbif. Mais quel plan machiavélique! T'avais vraiment pensé à tout, hein. Oui, enfin presque, hein. J'aurais dû faire un peu plus d'exercice pour te ramener jusqu'à chez moi, hein. Écoute, je me rends compte que tu fais vraiment beaucoup d'efforts. Mais j'ai pas quitté la guilde Noob, je n'ai pas quitté Horizon 2.2, c'est pas aussi dramatique que tu le penses. Oh que si, c'est dramatique! C'est même plus que ça! C'est dramégatique en Guild Dead! Allons bon, mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh ben, pour commencer, quand c'était Omegazel qui était l'officier principal, les filles, elles faisaient que se cacher. Et on jouait plus tous ensemble. Oui, mais ça s'est réglé, je lui ai retiré les droits d'administration. Ben, pas vraiment, tu vois. Maintenant que c'est Gaïa qui décide... C'est carrément tous les autres qui essayent de l'éviter. Ouais, maintenant que tu le dis, j'ai une petite idée de ce qui peut bien se passer. Entre toi qui es toujours avec la vilaine Carrie, Gaïa qui est devenue supra méchante, et les autres qui s'éparpillent pour éviter de perdre leur crédit, je m'amuse plus du tout, moi. Mais c'est temporaire, tu sais très bien qu'une fois que j'aurai retrouvé Source Lame, tout va rentrer dans l'ordre comme avant. Mais oui, mais c'est trop tard. Trop tard ? Mais pourquoi tu dis ça ? Parce qu'il s'est passé quelque chose de super grave. Je t'écoute. C'est Couette qui m'a tout expliqué. Tout a commencé quand Gaïa... Oh, mais où est-ce qu'ils sont passés ? D'après la map, ils sont censés être dans le coin. C'est à croire que depuis que je suis passée officier principal, ils cherchent à m'éviter. Non, 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 je dois me faire des idées. Surtout Omegazel, il ne se cacherait jamais pour échapper à une fille. Il aurait trop peur qu'un certain blog de Gaïa.com révèle au monde entier qu'il n'est qu'une lopette. Ok, c'est bon, t'as gagné. Je vais jouer le jeu, mais je t'avertis, t'as pas intérêt à abuser de ta position, sinon... Quoi ? Sinon tu le regretteras amèrement. Je la déteste, je la maudis, je la hais! Allez, allez, du nerf! Je vous rappelle que la cotisation hebdomadaire est devenue quotidienne et que vous devez me la verser avant 18h. Sinon, je risque de rater mon épisode de Gossip Girl. C'est vraiment nul de chercher des pierres précieuses toute la journée! Si vous préférez, vous pouvez toujours faire des quêtes et me donner la récompense. Un crédit est un crédit et je me moque de savoir comment vous l'avez obtenu. Rien ne vous empêche de varier les plaisirs. Je ne suis quand même pas un tyran. Oui, t'as raison. On va faire ça, là. J'ai besoin de taper sur quelque chose. Yep. Ah, te voilà, toi. T'es en retard sur ton farming quotidien. T'étais où ? Ouais, ben, je suis allé spawner Arthéon pour savoir ce qui tourne pas rond chez lui. Et alors ? Et alors ? Sur cela, mais juste un prétexte. Il est pas pressé de la trouver. Tout ce qu'il veut, lui, c'est juste passer du bon temps avec la petite Carrie. Oh, mais c'est trop mignon !
Mais ça n'a rien de mignon. Déjà d'une parce que c'est une fille, et ensuite parce que tant que Monsieur Arthéon sera sur son petit nuage, Horizon 2.2 passera au second plan. Et nous avec. Tiens, il y a quelqu'un qui vient vers nous en courant. C'est sûrement Sparadrap. Impossible, il n'est pas connecté. Oh, lui, c'est Simon. Il me la focus et il me poursuit depuis la direction de la colline. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais imaginer que c'est Gaïa, ça va me faire décompresser. Dis donc, quel entrain! Bon, Quest, Ivy, allez l'aider! Moi je m'occupe de lui faire les poches quand il sera mort! Ouais. Bah, attends là! Tu vas nous regarder buter le mob sans rien glander? Et après, c'est toi qui vas looter le butin? Comment ça, rien glander? Je supervise! Ah, mais il est absolument hors de question que je tolère ce genre d'abus de pouvoir là! Aucun problème! De toute façon, j'ai activé une taxe qui prélève automatiquement 90% de tous les crédits que vous récoltez. Écoute, Gaïa, il reste un seul petit niveau avant d'arriver au niveau 100. Ensuite, j'irai me stuff et j'irai appeler dans la guilde de justice. Plus vite on en sera là, plus vite tu seras débarrassé de moi! Mais je n'ai aucun intérêt à me débarrasser de toi! J'ai besoin d'un maximum de compagnons d'armes pour pouvoir atteindre mon objectif ultime. Ton objectif ultime, mais qu'est-ce que c'est? Oh, tu le sauras bien assez tôt. Bon, écoute, peu importe, là tu vas venir nous aider à tuer le bouffon de la coalition. Hein. Tu serais pas en train d'inverser les rôles? C'est moi qui donne les ordres. Ma patience a des limites. La mienne aussi. Va falloir que tu fasses l'idée que les femmes prennent le pouvoir dans la vraie vie, mais aussi dans le jeu. Vu comment tu nous traites, faut vraiment pas que tu t'attendes à ce qu'on soit sympa avec toi. Ma vision de la gente féminine est basée sur des faits. Mais regarde-toi, on te file un peu de pouvoir et vois ce que tu en fais. C'est n'importe quoi. Je te signale que tu as fait la même chose en pire il y a pas si longtemps. Mais absolument pas. J'ai resserré les boulons de cette foutue guilde pour nous préparer au HL. Je te rappelle qu'on a deux doigts du niveau 100. Sans un peu de discipline, on va se faire bouffer. Oh, mais quelle mauvaise foi! Et ton règlement débile qui t'autorisait à virer une fille de la guilde selon ton bon vouloir, c'est nous mettre dans les meilleures dispositions peut-être? Mais évidemment, arriver à un certain niveau, faut savoir se délester des boulets. Et je t'ai déjà expliqué, vous n'êtes pas programmé génétiquement pour les jeux vidéo. Combien de fois alors je te le répète? Oh, avec les pouvoirs qu'Arthéon m'a confié, je vais t'obliger à respecter la gente féminine. Tu veux que je respecte une gonzesse qui n'a aucune morale et qui passe son temps à arnaquer les autres? Ce sera un début, ouais. Et notre sorcière là, tu veux que je la respecte? Aussi peut-être. Regarde ce qu'elle a fait, Théo. C'est un zombie, y'a plus rien à en tirer. Pourtant, son comportement me rappelle celui d'une certaine personne lorsque fantôme est dans les parages. Ça n'a rien à voir. Lui, il mérite notre admiration, alors que vous, vous n'êtes que du poison. Fais attention à ce que tu dis. Je te rappelle que je suis officier principal. Ah ouais? Oh. Eh ben, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh. Oh. Bien, j'ai gagné un niveau. GG, quoi, t'as atteint le niveau 100. Ah, mais oui, t'as raison. C'est allé tellement vite avec les roches de fantômes que je me suis pas rendu compte que j'étais niveau 99. T'as osé quitter la guilde de noob? Parfaitement, je me casse. Youpi, je suis niveau 100. Je suis la meilleure de la guilde. Je suis la plus forte. Bon, un petit slash dance pour fêter ça. Tu bluffes. Je te donne même pas une semaine avant que tu reviennes en rampant. Moi, revenir en rampant pour trois bonnes femmes et un attardé? Eh ben c'est mal me connaître, hein. Adieu. C'est ça, va avoir retrouvé ton fantôme adoré. Tu verras qu'il voudra même pas de toi. Eh dis donc, je suis niveau 100 maintenant, tu pourrais quand même me dire quelque chose de gentil, hein. Ouais, la foutre. Eh ben, bon débarras. Mais il s'est passé un truc là. Alors comme ça, quoi, t'es niveau 100? Mais c'est pas ça le truc super grave! T'as vraiment écouté tout ce que je t'ai dit? Oui, non mais qu'on soit d'accord, le départ d'Omega Zell, c'est pas ce qui m'a le plus interloqué dans ton récit, quoi. Alors là, je comprends pas du tout. Ah oui, pardon. Interloqué, ça veut dire que... Mais c'est pas ça que j'ai pas compris! C'est ta réaction que je trouve bizarre! Tu m'excuseras de pas être surpris, mais Omega Zell, hein, nous répète du matin au soir qu'il veut rentrer dans la guilde de justice. Y'a bien un moment où ça allait arriver quand même! Mais ça te fait rien que la guilde de Noob soit en danger? Si, bien sûr, mais... On n'est plus tes copains? Sois pas stupide. Alors pourquoi tu reviens pas? Pourquoi t'essayes pas d'arranger les choses comme avant? Sans toi pour nous guider, ou même pour nous gronder, on va droit à la catastrophe. C'est mon alarme. Carrie va se connecter d'ici 5 minutes, ça me laisse tout juste le temps de rentrer. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je te laisse là. Quoi? Mais alors, pourquoi tu viens pas jouer avec nous quand elle est pas là? Ma mère m'interdit de rester tout le temps sur l'ordi, il faut que je m'aère un petit peu, donc du coup, je fais ça quand elle est absente et je calque mon temps de jeu sur le sien. Mais. Écoute, on finira cette conversation une prochaine fois, il faut vraiment que j'y aille. Salut Kevin! Cette fille.
vilaine Carrie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Tiens, c'est pour ta compétence herborie. Oh, merci. Tu as mauvaise mine, Gaillard. Sans blague. D'accord, et on peut savoir pourquoi tu as demandé à me voir ? Je veux que tu reprennes la guilde en main, parce que là, c'est plus possible. On en a déjà discuté. L'épée de source lame est ma priorité, et c'est comme ça. Bon, ça peut-être te paraître bizarre de ma part, et je ne comprends pas pourquoi tu accordes autant d'importance à un simple item. Non mais sérieusement, ta précieuse guilde noob est carrément en train d'imploser. Allons, allons, mais c'est pas la peine de dramatiser. Je suis certain que vous en sortez très bien sans moi. Ah, tu crois ça ? Eh bien, pour commencer, Omega Zell a pris la poudre d'escampette. Mais il va revenir. Quoi, t'as décidé de prendre des vacances pour une durée indéterminée pour se consacrer à fond à son concours de Miss Lavandou 2012 ? Mais tu sais bien qu'elle fait ça de temps en temps. Et puis, je suis désolé, mais Sparadrap est devenu un très bon soigneur, tu sais. Hein. Sparadrap est complètement traumatisé par les disputes de ses amis. Il passe tout son temps avec son piquouaille. Il a même donné nos pseudos à ses tout nouveaux smourbifs. Non mais toi et Ivy formez un duo de choc, tout ira bien. Ouais, super. Depuis qu'elle a arrêté son traitement contre la narcolepsie, elle arrête pas de pioncer. Elle dit qu'elle est passée en mode hibernation et qu'il faudra la réveiller lorsque tout sera rentré dans l'ordre. Ah bon ? Ivy est narco ? Je me disais qu'elle était pas très vive, mais quand même, là. Alors, comme tu peux le voir, la situation est à près de s'arranger. On a besoin de toi. Et puis, franchement, je vois pas que ça sert d'avoir les pleins pouvoirs si j'ai personne sur qui les exercer. Eh bien... Oh, mais le choix est simple. C'est soit ton épée légendaire, soit ta guilde. Tu n'as pas d'autre alternative. Allez, encore 3 flixballs perdus et je pourrais valider cette maudite quête. Ah, allez, le niveau 5 est proche. Faut que j'arrive sans guilde. Surtout sans guilde. Ah, si je veux prétendre à guilde de justice, il faut que je fasse comme fantôme. Que je solote tout ce qui se dresse devant moi. Même si je dois wiper 8000 fois. Non mais j'hallucine. On vient de pulvériser notre corps. Ça fait 96 quêtes qu'on échoue. Je suis morte 175 fois. Et là, on vient de passer 5 heures pour récolter 10 misérables essences de chaos. Oh, et là, ça va plus du tout, là. C'est pas possible. Mais c'est pas de ma faute, hein. C'est mon piquouaille qui s'est encore échappé. Vous savez, c'est dur à dresser, ces petites bêtes, hein. Plus dur qu'à mon bif, hein. Et moi, je me souviens plus. C'est pas étonnant. Tu passes ton temps à dormir. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, c'est moi qui fais. Allez, vas-y, tu peux lui donner les essences de chaos. Moi, je m'occupe de la récompense. Ok. Tada. Parfait, je vais pouvoir étudier ce nouveau flux magique. Mais qu'est-ce que t'as encore foutu, Sparadrap? J'ai rien fait, moi. Je lui ai juste donné ce qu'elle a demandé, hein. Saleté de quête de groupe. Ah, toi, le sans âme, tu vas voir. Yeah. Oh, putain, j'ai glissé. Faut pas que je confonde vitesse et précipitation. Faut que je me laisse guider par mon sixième sens. Seul une PGR. Le chaos a pris le contrôle de mon corps. Dis, donnez-moi du mana émanant de la source de la vie pour me décontaminer. La récolte, c'était que la première partie d'une suite de quêtes. Mais on n'a ni temps, ni des PSCAC. On va se faire massacrer. Ne vous inquiétez pas, Dame Gaia. Je viens vous. Ah, que m'arrive-t-il? Je ne me contrôle plus. Oh, MG. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fais avec mes mains? Je ne sais pas, je me sens contrôlé comme une vulgaire marionnette. Mais arrête tout de suite. Je suis indigne de vous servir, Dame Gaia. Donnez-moi du fouet! Bon, Sparadrap, ballon d'huile sur le PNJ pour le décontaminer. Soigner l'ennemi, ça? Tu sais faire. Hein. Tu peux compter sur moi? Merde! Je ne supporte plus de vous faire du mal! Que quelqu'un fasse quelque chose! Arrête! C'est comme si c'était fait! Que dis-toi ? Je te remercie éternellement de m'avoir empêché de nuire à Dame Gaia ! Ouf ! Merci Golgotha ! Grâce à toi, je ne suis pas morte une 176e fois ! Golgotha ? Oh non ! J'ai oublié de partager la quête ! Elle doit être contaminée ! Ivy, à l'aide ! Oh non ! Elle dort encore !
Ouais, c'était trop bien, ma gaga, je me suis éclatée. Ouais, tu parles, c'est surtout moi que t'as éclaté. Oh, pardon, ma gaga. C'est vrai que je t'ai tellement défoncé que j'ai fait bugger ton avatar. Pourquoi tu dis ça? Il est tout gris. Quoi? Meuf, alors, maintenant on sait plus si t'es dans l'ordre, la coalition ou l'empire. Déjà qu'avec trois couleurs différentes, j'avais un peu de mal à distinguer les vilains des gentils, mais maintenant c'est carrément mission impossible. Mais c'est pas un bug, hein. Ça veut dire que t'as été rejeté par l'empire. Qu'est-ce que tu dis? J'ai été quoi? À force d'arnaquer les joueurs, les PNJ, t'avais pas beaucoup de points de réputation. Du coup, les morts plus les quêtes échouées à répétition ont fait baisser le compteur à zéro. Mais alors, ça veut dire que je peux me faire attaquer par les trois factions en même temps? Eh ouais, t'as tout le monde contre toi maintenant. Les joueurs, les mobs, les PNJ. T'en as de la chance. C'est une catastrophe! Je suis totalement vulnérable! T'en fais pas, il faut juste que tu récupères des points de réputation pour que ton curseur retrouve sa couleur d'origine. Et comment tu veux faire? On est même pas foutu de finir la moindre quête! Dame Gaïa, me revoilà avec des renforts! Oh putain, oh c'est pas vrai, c'est pas vrai. Gaïa, ça vaut tous les wallpapers, toutes les captures d'écran que j'ai d'elle. La voir en vrai. Mais bien sûr, la voilà la solution. Me invite-moi dans ton groupe. Vous voulez que je vous invite dans mon groupe? Ça veut dire que vous me pardonnez tous les outrages que je vous ai fait malgré moi? Tenez, recevez cette invitation que j'ai bien notée sur mon clavier. Merci, merci. Avec amour. Hé hey, c'est à moi qu'elle avait demandé! Oui, elle avait demandé à être intégrée dans un groupe. Mais moi, je l'ai invité dans la guilde des adorateurs de Gaïa. On peut savoir ce que tu fabriques là? Eh bien, si je reste, ma situation va empirer, sans mauvais jeu de mots. Donc je n'ai pas vraiment le choix. Quelle puissance! Quelle élégance! Quel charisme! Dame Gaïa, votre curseur, il vire en rouge si quelqu'un s'en rend compte. Votre couverture d'agent infiltré dans l'Empire est ruinée! Il n'y a plus de place pour moi dans cette faction. Vous voulez dire que vous rentrez au bercail? On peut dire ça comme ça. Youpi! Dame Gaïa dans la coalition! Allons prévenir les gens! Oui! Je suis niveau 100! Tout seul! Sans les petites personnes! Il y a quelque chose à réaliser. Ouais, comme c'était énorme! Maintenant, on va pouvoir se friter avec Gaïa. Tiens, c'est bizarre. Je viens d'être nommé officier principal de la guilde à la place de Gaïa. De mieux en mieux. Voilà 5 ans. 5 longues années que je traîne des boulets. Mon parcours vers le niveau 100 a été entravé par des filles, des noobs et encore des filles. Mais je n'ai pas plié. J'ai avancé vers mon destin de futur meilleur joueur d'Horizon 2.2. Un pas après l'autre, sans jamais me décourager. Et aujourd'hui, me voilà aux portes de ce qui deviendra le théâtre de ma légende. La Guilde Justice. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux cette fois? Je suis ici pour passer l'entretien afin d'entrer dans votre guilde. Je t'ai déjà recalé. Et tu as eu raison d'ailleurs, car à cette époque-là, je n'étais pas digne de vous rejoindre. Mais maintenant, c'est différent. Écoute, si je devais donner une seconde chance à tous les ratés de ton espèce, on serait dans les bas-fonds du classement. Ma décision est prise, t'es recalé, au revoir. Attends! J'attends ce jour depuis ma première connexion en Horizon 1.0. J'ai traversé des épreuves que tu peux même pas imaginer. Il est hors de question que je lâche l'affaire comme ça. Et de quelle épreuve parles-tu? Eh bien, pour commencer, je suis arrivé niveau 100 en faisant partie de la guilde noob. Je prends Istos pour témoin. Il est bien placé pour savoir à quel point c'est un exploit. C'est vrai, j'ai suivi leur progression à travers l'écran de mon frère et on ne peut pas dire que ce soit les meilleures conditions pour XP. Ah! Tu vois? Bon, et après, tu crois peut-être qu'il suffit d'être niveau 100 pour intégrer la guilde de justice? Non, mais c'est une des conditions. En effet, une parmi beaucoup d'autres. As-tu un stuff optimisé? Non. Tes réputations sont-elles au max? Non. Tu connais toutes les strats du PvHL? Non. Tu vois, rien qu'avec ces quelques critères de base, tu viens d'être recalé 3 fois. Mais comme je te l'ai expliqué, j'étais dans la guilde noob, c'était hors de ma portée. Mais j'ai le potentiel pour réaliser tout cela, je suis prêt à le prouver sur le champ. Sur le champ? Et comment tu comptes t'y prendre? En me battant s'il le faut. Voilà, on s'est battu, t'as perdu, c'est réglé. Bon. On en était où déjà? À l'arrivée imminente du nouveau donjon de la source du chaos.
Il y a de nouveaux sets d'armes. Ah oui, c'est vrai. C'est pas terminé. Là, tu commences à me courir sur le système. Je sais. Et crois-moi, je suis loin d'avoir dit mon dernier mot. Avant de venir ici, je suis allé m'acheter 100 pierres de résurrection. Si on peut lui reconnaître une qualité, c'est qu'il est tenace. C'est qu'un bon parleur tout juste bon à jeter de la poudre aux yeux. J'ai quitté la guilde Noob. Dans la vraie vie, j'ai posé un arrêt maladie pour me consacrer à 100% au jeu. C'est de la poudre aux yeux, ça peut-être? Bah oui, c'était le minimum à faire, y a pas de quoi s'enfaronner. Et je ne parle pas de mon rouget sans limite et sans faille pour la gente féminine. Je te rappelle que j'en suis une, alors fais attention. Et pourquoi? C'est pas toi là qui recale systématiquement les gens sous prétexte qu'ils ont des petites amies dans la vraie vie? Si, en effet, il s'agit d'une source de distraction qui nuit à l'avancée PVE. Entre autres, oui. Et c'est pour cette raison que j'exclus toute forme de relation amicale ou amoureuse avec la gente féminine. Tant que je ne serai pas devenu numéro 1. Oh mon dieu. Mais comment un homme peut-il s'infliger une telle épreuve? Et tu veux devenir numéro 1 de quoi? Horizon 2.2? Parfaitement! Eh ben mon pauvre, ton état n'est pas prêt de s'améliorer. Pense ce que tu veux, je sais que j'en ai l'étoffe. Alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas continuer à te bercer de 12 illusions dans ton coin. Et nous, on va reprendre notre conversation sur la mise à jour 2.3. Parce qu'on a déjà perdu assez de temps sur ton cas. Saphir, donne-lui une chance. Fantôme? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bon, et pourquoi je devrais faire ça? Parce que j'ai une dette envers lui. Le célèbre fantôme est disparu. Il n'a jamais existé. Le bannissement de fantôme a provoqué la chute de l'Empire. Tout est fini. Ben non, tous nos problèmes ont commencé avec son départ. Pourquoi ne pas le convaincre de créer un nouvel avatar? Fantôme. Je sais que notre guilde est truffée d'incapables, mais si tu veux battre Amaras un jour, il faut accepter de l'aide de ceux qui croient en toi. Très bien, j'accepte de devenir membre de la guilde Noob. Plus qu'une cinquantaine de 100 âmes et on devrait être en mesure de pouvoir faire le 9e étage de la tour Kalamazoya Bouillac. Je vais voir. Avec moi, ça va aller super méga vite. Heureusement que ce petit ennemi est venu à Bouillac, hein. Oh, pas mal! Gaïa! Alors là, je te prie en flag. Archéon! Regarde cette partie là, elle est en train de faire le poche du mob! Mais t'aurais pas un peu l'impression que je suis occupé là par hasard? Quel talent! Tu vas rendre ce que t'as volé à la guilde! On n'accuse pas sans preuve! Et ça, ça te va comme preuve? Sparada, surveille ton mana, je ne veux pas d'un 30e wipe! Mais pourquoi c'est toujours moi qui me fais gronder? Parce que on est mort 29 fois par ta faute. Tu es bien la strat et tout se passera bien. Ouais. Aïe, ramène ce putain immédiatement! Je vais les triper! Hey, on avait dit que c'était moi qui ouvrais le coffre! Attendez, Ivy s'est encore endormi! Ah ah. Voleuse, billeuse. Bon, ça n'a pas été facile là, mais maintenant que vous avez terminé le 9e étage de la tour Galamadria Bouillac, vous devriez pouvoir accéder au niveau 100 assez facilement. Mais pourquoi tu dis vous? Tu veux plus venir jouer avec nous? Je vais aller faire quelques quêtes spéciales pour m'entraîner et me prouver que j'en suis encore capable. Après ça, je vais aller au dernier étage et j'espère bien débloquer à nouveau ma classe légendaire. Sarazar, source du chaos, les mortels t'ont jugé, te voilà condamné. Cet Olibrien fut notre bras armé, et sa volonté a surmonté la tienne. Ce n'est pas encore fini! Non! Mais qu'est-ce que... Je ne pouvais pas résoudre à devoir échouer si près du but. Spec, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi m'as-tu aidé? Parce que la donne a changé. La source du chaos n'était pas censée finir emprisonnée. C'est vrai. Aux dernières nouvelles, c'était bien l'épilogue de cette quête. Il semblerait que cette explosion ait été rajoutée par la dernière mise à jour. Où que tu ailles, Sarazar, nous te traquerons et nous te capturerons avant que tes dégâts ne soient irréparables. Élémentaliste, dis aux mortels que la source du chaos erre en Olidri. Localisez-la avant qu'il ne soit trop tard. Nous comptons sur vous. Ainsi donc, ils ont changé la trame du dernier étage. La tour Galamadria Bouillac, quel magnifique édifice. Son influence sur l'espace-temps est tellement mystérieuse. Je n'y comprends plus rien.
À l'époque où j'ai soloté le dernier étage, cette cinématique n'existait pas. En brisant cette magie ancestrale, j'ai arraché la source du chaos à sa funeste destinée. Qui es-tu ? Tabriz. C'est ainsi que mes créateurs me nomment. Tabriz ? Le cobaye créé par la technologie ? Pour le moment, je tâche de me faire discret aux yeux de la coalition, car je veux qu'ils continuent de croire que leur chef a été lâchement assassiné par l'Ordre et l'Empire. Le général Khazar serait-il tombé ? Hélas, sachez que cela m'attriste au plus haut point, mais c'était un mal nécessaire en vue de la guerre totale qui se prépare. En dehors des sources, c'était le personnage le plus puissant du jeu, et tu l'aurais vaincu. Fascinant. Pour l'heure, je vous laisse la vie sauve, Olydriens. Il serait dommage que vous manquiez mon prélude à l'apocalypse. On dirait bien que ton œil nous propose un défi en guise d'apéritif à notre duel. Ne sois pas si nombriliste. Il a fait ça pour équilibrer le rapport de force entre les différentes factions. Si tu le dis. Non, si tu permets. Mais je t'en prie. Je me réjouis d'assister à un moment historique. Le retour de Phantom dans le club très fermé des classes légendaires. Le moment est venu de choisir l'un des 13 arts guerriers et de jurer allégeance à la source de la vie ou la source de la mort. Aurore ou Crépuscule, choisis bien. Crépuscule, et j'opte pour la classe guerrière. En ce jour, Phantom l'élémentaliste disparaît dans les limbes de l'oubli pour renaître sous l'apparence d'un guerrier du Crépuscule. Ah, vous voilà. Phantom ? Ah, on dirait qu'il est en pleine rechute de fanboy attitude ! Normal, son idole a retrouvé le hit parade. Toutes mes félicitations. Merci. T'es venu nous annoncer ton départ. Effectivement, nous en avons discuté avec Saphiristos et Emdahl et très vite on en arrivait à la conclusion que c'était la meilleure solution. C'est logique. Pour nous, il était clair depuis le début que ton passage n'était qu'une transition avant un retour vers une certaine normalité. Ouais, enfin, c'était clair pour presque tout le monde. Oh non ! Phantom, tu t'en vas vraiment? Faisons une capture d'écran pour marquer le coup. Bonne idée! C'est la raison pour laquelle je te demande de le laisser entrer dans la guilde. Tu es conscient que ça va faire baisser nos statistiques et que c'est très mauvais pour notre duel au classement contre la guilde Roxor. Je mettrai des bouchées doubles pour compenser. Bon, très bien, et ben je vais faire une exception. Félicitations, tu es des nôtres à présent. Bienvenue dans la guilde de justice. Ça y est, j'ai réussi. Mais qu'est-ce qui lui est encore arrivé ? Je crois qu'il vient d'exploser de joie. Je suis vraiment super content. J'ai réussi à trouver tous les pompiers qu'il y avait dans le jeu. Arthéon, tu as encore oublié de me demander ma cotisation hebdomadaire. Oh, suis-je bête. Merci, ma petite Gaga. Tu es vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Je vais aller m'empresser de les mettre dans le coffre de guilde et demain, on ira faire des emplettes à l'hôtel des vents. Chouette! J'espère qu'on trouvera du stuff kawaii pour Couette. C'est bientôt son anniversaire. Oh. Les amis, je maîtrise ma compétence à 100%. Bravo, Megazelle! T'es le plus fort des niveaux 100! Merci, Sparadra, mais tu sais, j'ai travaillé dur pour en arriver là et le travail paye toujours. Dis, Arthéon, et si tu nous racontais une histoire de background pour fêter ça? Ah oui, Arthéon, une histoire! Bon, c'est bien parce que c'est vous alors. Ouais. Laquelle vous voulez? Celle de la pierre des âges ou du continent sans retour? Ah ben, moi j'aimerais bien que tu nous racontes celle de la légendaire épée Source Lame. Oh, petit ouais. Galopin. Source Lame, avez-vous dit? Oh non, une vilaine méchante de l'ordre. N'approchez pas. Que nous voulez-vous? Je suis à la recherche de Source Lame. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Ou sinon quoi? Ou sinon, je vous obligerai à tomber amoureux de moi. Et vous ne pourrez plus jamais jouer avec vos amis. Mais pourquoi? Mais comment pouvez-vous imaginer faire ça à une bande de copains comme la nôtre?
Mais vous n'avez donc pas de cœur, mademoiselle? Non, je suis trop égoïste pour en avoir un. En revanche, je vole celui des autres. Vite, unissons nos forces avant qu'elles ne nous fassent du mal. Par le pouvoir de la générosité. Je fais appel à la tolérance. Par le pouvoir de l'esprit des cieux. Dans tout le pouvoir qu'on sait, reçois la puissance de l'amitié. Mais j'ai raté quelque chose. Hé, les amis, si nous allions chasser les pigouins ensemble. Allons-y. Allons chasser le picouaille. Allons chasser le picouaille. Allons chasser. Bonjour tout le monde. Oups, désolé Kevin, j'avais pas vu que tu dormais. T'es gavant Thomas, j'étais en train de faire un super rêve. Ah bon? Bah ouais, il y avait tous les copains, on était tous réunis. C'était un super rêve. Bon ben j'y retourne, hein. Allons chasser le picouin. Et voilà, maintenant j'arrive plus à dormir. Bah, pourquoi tu joues pas plutôt avec tes amis? Bah parce que soit ils ont quitté la guilde, soit ils sont occupés ailleurs. En fait, il reste plus que Ivy. Mais bon, c'est pas toujours très marrant avec elle. Elle arrête pas de dormir. Bah, puisque vous êtes en sous-effectif, ça te dirait pas de recruter mon reroll? Ton reroll? Tu veux créer un nouvel avatar? Ouais, le très haut niveau est tellement strict que j'ai décidé de créer un assassin pour décompresser un peu de temps en temps. Mais c'est trop cool ça! Bon, d'abord il faut que j'aille réveiller Ivy, ça te laissera le temps de créer ton nouvel avatar, ok? Hé hey, oh Ivy, réveille-toi vite! Il y a un autre membre de la guilde qui va bientôt se connecter! Hein? J'ai raté quelque chose? Hein? Quoi? Rien. Juste une impression déjà vue. Alors, je disais qu'on allait accueillir une nouvelle recrue. C'est ma première en tant qu'officier principal. Qui c'est? Je connais? Non. Si! Enfin, pas exactement. Mais tu vas vite comprendre. Il devrait pas tarder à arriver. Je suis déjà là. Oh mais non! Pourquoi tu l'as tué? Je viens de créer cet avatar, je te rappelle. Comment aurais-je pu la one-shooter? J'apporte le stuff que vous m'avez demandé. Celui pour les nouvelles recrues. Bien, bah à présent tu vas faire l'inventaire du coffre de guilde. L'inventaire? Mais il y a des milliers d'objets, ça va prendre plusieurs jours. Oh, pas tant que ça, deux ou trois seulement. À condition que tu ne dormes pas, évidemment. Un problème, Bisu? Non, enfin, c'est juste que je me demandais... c'est quand que je vais faire des donjons à vos côtés, quoi? À nos côtés? Ben oui, avec Phantom, Emdal, Istos et vous? Jamais. Autre chose? Quoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça à la fin? Ben rien, justement, c'est ça le problème, rien du tout. Si tu es rentré dans cette guilde, c'est parce que Phantom l'a exigé. Tu n'as pas mon approbation, donc aucune légitimité. Mais comment je fais, moi, pour l'obtenir, cette légitimité? Si je reste cantonné à classer des artefacts jour et nuit dans le coffre? Laissez-moi vous prouver ma valeur. D'accord. Sérieux? Dans 3 ou 4 millions d'années. Très bien, tout le monde. Alors, je vais faire l'appel. C'est vraiment nécessaire. Tut. On ne discute pas les ordres de son chef. Ouais. Bien. Alors, Couette? Bah oui, c'est vrai. Elle a un concours de beauté IRL. Faudra que je pense à lui demander un mot d'excuse quand même. Ensuite, Ivy? Présente. D'accord. Omégazelle? Il fait plus partie de cette guilde. C'est la même chose pour cette traîtresse de Gaïa. Bah je les mets quand même entre parenthèses en attendant qu'ils reviennent. Ah, parce que t'accepterais de les réintégrer s'ils se repointaient? Bah oui, c'est mes copains tout de même. À la limite, même s'il est insupportable, Omégazelle n'a rien fait de trop grave. Mais Gaïa, ça serait niette direct. Faut pas dire ça, Ivy. Je suis sûr que... Que quoi? Ne dis pas que tu vas la défendre quand même. Bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, il faut qu'ils finissent l'appel. T'inquiète, la mouette. Pour moi, c'est tout vu. Arthéon! Il est avec la vilaine Carrie, évidemment. Et le meilleur pour la fin?
j'ai nommé mon petit frère Histos. Histos ? Mais c'est quoi ce nouveau familier ? C'était à leur niveau 1. D'accord. Il va falloir que t'arrêtes de faire ça. Faire quoi ? Faire le psychopathe furtif. Je suis un assassin. C'est le roleplay qui veut ça. Bon. Mais revenons à nos smourbifs. Aujourd'hui, j'ai décidé de devenir niveau 100 pour de vrai. Je suis niveau 1, je ne vais pas pouvoir vous aider. Étant donné qu'on n'est plus 3 maintenant, et qu'en plus on a la chance d'avoir un reroll de la guilde de justice dans nos rangs, autant faire en sorte qu'il soit opérationnel rapidement, non ? Je sais, mais il me reste un tout petit peu d'expérience à amasser. Et si je veux devenir un bon chef, il faut que je sois fort pour tous vous protéger. Ok, donc on commence par finir ton level upping, et après, on rush Michael Myers. Qui ça ? C'est le nom du tueur dans le film Halloween. Ah, il faisait de l'humour. Bon, pour commencer, on va explorer la région de Halloween. Suivez-moi. Eh ben, c'est ce qui s'appelle franchir le pas. Lol ! Vous avez vu comme je suis un bon chef ? J'ai déjà rempli le premier objectif de la journée. GG. Ah là là, je suis niveau 100. Quelqu'un ? Pardon, on était en train de... Thomas, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce qu'on a fait vraiment ce qu'on a fait pour fêter mon niveau 100 hein ? Ce qui s'est passé chez les Le Pape reste chez les Le Pape. Qu'est-ce qui se passe ? Un event. C'est trop nul. Pourquoi il se connecte pas? Comment je vais faire pour entrer dans le donjon si je suis tout seul? Mais tu n'es pas tout seul, Sparadrap. Je vais venir avec toi. Arthéon? C'est vrai? Tu veux vraiment venir jouer avec moi? Tu préfères pas rester avec la vilaine Carrie? Bah, le truc, c'est qu'elle a des examens en ce moment. Elle peut pas se connecter. Ah! Je comprends mieux. C'est un choix par défaut. Mais alors, on ne dit pas ça. Salut les moulas! Bon alors, qu'est-ce que vous faites là, gazouiller, là, au lieu d'aller défoncer les mobs de la nouvelle instance? Mais j'aimerais bien, mais on n'est pas assez. Pas forcément. Golgotha, tu te joins à nous? Oui, carrément, mais ça fera 1000 crédits le try. 1000 crédits? Non mais attends, tu serais pas la meilleure amie de Gaïa par hasard, toi? Non, je suis mercenaire, je distribue des nions et t'envoie l'addition, tête de fion! Bah oui, mais même avec Golgotha, on n'est que 3. C'est bon, Couette vient de répondre à mon MP, elle nous rejoint directement dans la zone instancielle. Cool! Super, c'est réglé. Allons goûter les culs. Eh bien, attendez-moi! Qu'est-ce qu'il fabrique? Dame Gaïa! C'est horrible! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est même eux, Gordon et les autres! Ils ont été attaqués sur le chemin du retour! Oh, mais quelle bande d'incapables! Et où sont les items que j'aurais demandé d'acheter pour le donjon du chaos? Tu les as récupérés au moins? Non, je me suis enfuie avant qu'ils ne me voient! Mais c'est abominable! Il y en avait pour une fortune! Ils ont tout dérobé et ils sont en train de camper nos amis! Il faut les secourir! Et risquer de perdre encore des crédits? Certainement pas! Bon, vous autres! Arrêtez de farmer et allez les remplacer. Mais avant ça, vous allez me donner ce que vous avez récolté. Ben en fait, moi j'ai rien trouvé. Je suis bredouille aussi. J'essaie de voler un fruit à un smourbif, mais il m'a vaincu. Attendez là, vous avez tous fait chou blanc depuis ces 3 dernières heures? Oui, on a peanuts. Pour notre défense,
pas grand chose dans cette zone. Alors pourquoi ne pas en avoir changé? Parce que on ne veut pas s'éloigner de vous. Et si quelqu'un vous attaquait? N'oubliez pas, Dame Gaïa, nous sommes vos propriétaires humains. Oui, c'est vrai. Bon, allez, si vous parvenez à me rusher et à me stuffer en terminant le donjon de la source du chaos, alors j'aurai pas perdu toute ma journée. Vous avez entendu? Faisons honneur à Dame Gaïa. Oui yeah. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Voici l'entrée de la zone contaminée par le chaos. Une fois qu'on aura franchi cette barrière, on sera dans l'instance. T'en fais pas, on risque tout là maintenant. Je suis niveau 100. De quoi? Mais t'es niveau 100 toi maintenant? Bah, félicitations. Mais par contre, tu restes concentré, ça reste une zone de haut niveau. Basta! Une gueule de tête en moi! Vraiment des trucs qui changeront jamais, hein? Surtout, serrez les rangs. Je ne veux aucune faille. Oui, Dame, oui, Dame Gaïa. Attention, là-bas, un fanfare! Il est sur le point d'envoyer une boule de feu! Faites diversion! Mais, vous nous avez dit de resserrer les rangs! S'il lance son attaque sur nous, il va faire un strike! Est-ce que j'ai une tête de quille? Non. Alors, on n'explique pas mes ordres! On s'exécute! Zut. C'est exactement ce que je redoutais. Ils sont pires que la guilde Noob. Comment as-tu osé faire ça, Dame Gaïa? Tu vas payer, sale sans-âme! Non! Eh bien, je vous félicite pas! Si à chaque fois qu'on croise un mob, je frôle la mort, ça va pas le faire. Pardonnez-nous, Dame Gaïa! On fera plus attention! D'ailleurs, toi, t'étais le plus proche du mob! T'aurais dû te jeter pour sauver Dame Gaïa! C'est faux! Je pouvais rien faire! Tu t'étais des mensonges avec ta bouche! Non, mais t'es gonflé! Comment oses-tu? Non, mais t'as raison! Bon, arrêtez de vous disputer! On continue, allez, suivez-moi! Non mais... Mais où est Dame Gaïa? Je crois qu'elle a pris le vortex de gauche, là. Mais, bande de capas, tu vas là, il faut la protéger. Allez. Je suis d'avis qu'on abandonne ceux qui n'arrivent pas à suivre la cadence du très haut niveau. Attends, c'est quand même pas ma faute si mon avatar met plus de temps à regain que les vôtres. Bizarre, pourtant tu n'as pas énormément de points dans ta barre d'esprit sanguinaire. Oui, mais à chaque combat, il claque tout pour sauver les apparences. Alors. Ouais, bah c'est raté. Je suis dernier au kikimeter avec seulement 2% du DPS. Je ne te le fais pas dire. Sois indulgente, c'est sa première instance à Shell. Oh, toi ça va, hein. Monsieur m'oblige à recruter un pistonnet, il l'inscrit dans le roster principal et en plus je devrais être indulgente. Bon, ça suffit tous les deux, vous vous chamaillerez plus tard. Je vous rappelle que nous avons une zone instanciée à terminer. Tiens, notre chef aurait-il retrouvé de son autorité? Et que suis-je censé comprendre? Simplement que ces derniers temps, tu cèdes à tous les caprices de fantômes. J'ai l'impression d'être la seule à tenir le cap durant la tempête. Alors là, je t'arrête tout de suite. Il a une dette envers la guilde Noob, et tu connais mon sens de l'honneur. Et puis, je ne suis pas aussi passif que tu le dis. J'ai quand même appelé Castorga pour équilibrer le groupe. Ouais. Tu as de la chance que le donjon du chaos n'impose aucune limite de joueurs. En même temps, dans une instance normale, la question se serait pas posée. T'as toujours pas fini de regain, toi? Presque. Mon avatar a beaucoup d'appétit. Ça cause la qualité de tes compos. Ils sont pas optimisés. Ah, alors ça, c'est la faute de Saphir. Elle m'oblige à farmer nuit et jour pour la guilde. Résultat, j'ai plus un sou en poche. Impossible de m'acheter des items corrects. Mon pauvre petit, à t'entendre, on croirait que tu es Cosette et que je suis Madame Thénardier. À peu de choses près, oui. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je me plains comme Gaïa? Non, mais ça va pas du tout, là. Peu importe les corvées que tu me donneras à faire, je continuerai ma route vers le haut du classement. Allez, on y va. Moi qui pensais qu'une guilde entièrement dévouée à ma cause était une aubaine, je commence à avoir de sérieux doutes. Et bien sûr, ils se sont trompés de vortex. Maintenant, c'est une certitude. Cette guilde est un fléau. Et moi, je suis perdue. Toute seule,
au milieu d'une instance inconnue. Ah, bravo. On reste dans cette zone pour attendre Quet. Elle sera là d'une minute à l'autre, donc vous ne touchez à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été éjecté du donjon. Pas de panique, on est toujours dans la zone instantiée. Regarde, c'est marqué dans l'interface. Ok, mais où sont passés les autres alors? On va les retrouver. N'oublie pas que le chaos déforme l'espace et le temps. C'était donc ça. Tiens, mais c'est Jack, c'est par où? Capitaine, Jack, c'est par où? Pour vous servir, moussaillant. Eh, salut. Toi aussi, t'es perdu? Vous apprendrez, matelot, que le capitaine Jack, c'est par où, n'est jamais perdu. Oh, certes, il m'arrive de m'égarer de temps à autre. Mais, je retrouve toujours mon chemin, grâce à... ceci. Trop cool! Tu peux nous indiquer la sortie, alors? Avec plaisir, camarade. Dès que ma boussole sera un peu moins... déboussolée. Ça doit être à cause du chaos. Les lois physiques telles que nous les connaissons sont complètement chamboulées dans les zones contaminées. Hélas, c'est ce que j'ai cru comprendre en vous écoutant tout à l'heure. Pour sortir de cette zone, il faut trouver et éradiquer les vecteurs du chaos. Gaïa? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de faire le donjon avec ma garde personnelle, et puis on a été séparés. Ouais, donc tu cherches de nouveaux boucliers humains à pigeonner, c'est bien ça, hein? Absolument pas! Pour qui me prends-tu? Mais inutile de fatiguer à jouer les ingénus, les autres vont tout raconter! Bon, d'accord, c'est vrai, j'ai pactisé avec la coalition, mais au même titre que tu as pactisé avec l'ordre, je ne vois aucune différence! Eh, moi au moins j'ai pas changé de faction, je te signale! Morbleu, nous voilà en présence d'un véritable équipage. Hé, salut Quet, c'est cool que t'aies pu nous retrouver. Eh ben oui monsieur, c'est grâce à Golgotha. Oui, le pauvre petit lapinou s'était perdu dans la zone instanciée. Heureusement j'étais là pour la récupérer. Je me suis spécialisée dans la terre pour l'occasion. Je suis beaucoup moins fragile qu'un élémentaliste de l'eau. Je suis belle avec ce stuff, hein. Oui, tu es très... comme tu dis déjà, c'est... oui, tu es très kawaii, voilà. C'est... Merci. Nous y sommes. C'est le cœur de la zone instanciée. Alors c'est de là que provient le chaos qui a contaminé cette région. Pas exactement. Ce que vous voyez derrière moi est une brèche dans la barrière érigée par vos sources fondatrices. Il s'agit d'une porte reliant les mondes. Je comprends mieux l'origine de la contamination de cette zone à présent. Putain, j'ai vraiment l'impression d'être le sparadrap du groupe, là. J'ai rien pité, moi, ce qu'il a dit. Ces maelstroms ont une double utilité fort appréciable. D'un côté... ils me permettent de chercher mes origines. Et de l'autre, ils augmentent la puissance de Sarazar. En clair, le chaos nourrit d'un mélange de flux magiques. Moins il y en a, moins il est puissant. Mais en ouvrant les portes reliant les mondes, ta brèche laisse entrer de nombreux flux d'origine inconnue en Olydri. Sarazar n'est qu'un rouage de mon prélude à l'apocalypse. Le meilleur reste à venir, du moins si vous survivez jusque-là. Tendal. C'est pas toi qui parlais d'un set d'armure légendaire dissimulé dans cette instance? Si, je l'ai lu sur la toile, et je soupçonne les développeurs d'être derrière cette rumeur. Mais pourquoi tu parles de ça maintenant? Parce que je crois savoir où il est caché. Et qu'est-ce qu'il lui a pris? Ingénieux! Il a découvert le passage secret menant au niveau perdu. Bon, puisqu'on vient de perdre notre tank, je vais m'y coller. Ne vous inquiétez pas, l'actuel leader du classement s'est éclipsé, mais il vous reste le futur numéro 1. J'ai arpenté cette plaine contre vents et marées. J'ai marché des jours durant, sans maintenant le cap, sans jamais baisser la cadence. Et rien du tout. Une véritable mer d'huile, de l'herbe et encore de l'herbe. Sans l'aide de ma boussole, j'ai l'impression de tourner en rond. À moins qu'un maléfice m'ait fait faire du surplace. Allez savoir. On n'est pas plus avancé alors. Mais c'est nul! Je suis officier principal! Niveau 100, est censé être méga balèze of the dead pour tous vous protéger, et au final, ben on est coincé ici. Mais vous avez rien écouté ma parole? Je vous ai dit tout à l'heure que pour sortir de cette zone, il fallait trouver et éradiquer les vecteurs du chaos. Pourquoi on te ferait confiance d'abord? Parce que vous connaissez ma faculté à rester en vie. Et on peut savoir quel intérêt t'aurais à nous mettre dans la confidence? Qu'est-ce que tu nous fais là? T'essaies de te racheter une conscience ou quoi? Absolument pas. C'est juste que ma solution ne marche pas si je suis toute seule. Sinon, vous pensez bien, je serais déjà bien loin. De toute façon, moi, tant qu'il y a de l'action, ça me va. Allez, c'est par où? À vos ordres, capitaine. Larguez les amarres, fermez les écoutilles, toute voile dehors, cap sur...
Bâbord ou tribord ? Avant de vous répondre, je voudrais votre parole que vous n'allez m'attaquer ni pendant le donjon, ni après. Une immunité contre une solution à une énigme ? D'accord, mais faut que tu promettes de jamais t'en prendre à nous en retour, hein ? Depuis quand es-tu devenu aussi dur en affaires, Sparadrap ? Depuis que ma mission est de réunir tous mes amis, comme avant l'arrivée de la vilaine Carrie. Et ça, c'est pas négociable. Bon, tu as ma parole, là. Et la nôtre aussi. Eh bien, finalement, si j'avais su, je t'aurais nommé officier principal dès le début. Peut-être que la guilde serait encore au complet. Oui, enfin, avec moi aussi, elle l'aurait été, hein. Ah, mais on s'en tape de vos états d'âme. Où quelle est la baston ? Au nord-ouest. Formidable ! C'est parti, marin d'eau douce ! J'ai dit au nord-ouest. Non, d'une jambe de bois. Où avais-je la tête ? Je me disais aussi. Tom Gaïa ! Tom Gaïa ! Attention aux deux casters! Faut pas qu'elle focus notre soigneur! Mais j'ai rien à m'en occuper là! Trop tard! Bien joué, Saphir! Merci, je me suis juste contenté de faire mon job, pas comme certains là! J'arrive pas! Bien joué, Castor, gars. Allez, les filles, attaquez-vous à quelqu'un de votre taille. Vous nous en prendre dans ce petit bruit de maigrichon. Bon, Gazelle, va assister Castor, gars, sur le poste au corps à corps. Je m'occupe des casteurs. Aussi preux puisse-t-il être, n'en demeure pas moins futile. Nous verrons bien. Ta puissance est équivalente à celle des sources elles-mêmes. Ton attaque n'est qu'un souffle inoffensif pour l'être que je suis devenu. C'est ce que je vois. Mais je suis loin d'avoir battu toutes mes cartes. Des cartes, dis-tu ? Alors soit, jouons. Je fais appel à la puissance des éternes. Soyez le bras armé de ma colère. Que les cataclysmes se déchaînent. Une incantation interdite du premier âge. Je suis impressionné. Malheureusement, il en faudra bien plus pour me blesser. Je vois que tu n'es pas de ceux qui abandonnent aussi facilement. Ton esprit combatif te fait honneur, mortel. Objectif droit devant. Nous y sommes. Ces deux PNJ sont les deux vecteurs du chaos dont je vous parlais tout à l'heure. C'est à cause d'eux que la planète est toute chamboulée. Des 8 mètres. Record battu. Ah ça, fallait s'y attendre. Mais il s'est passé quoi ? D'après ce que j'ai compris, il existe une polarité positive sur le mec en rouge. Il vise vers ça. Oh, je crois que j'ai compris la strat. Vous allez voir, c'est super simple. Quand un plus apparaît sur votre écran, vous vous paquez sur le PNJ rouge. Alors que quand c'est un moins, vous vous paquez sur le 120 noir. Et là, vous le bourrinez. Je déteste les strats. Eh ben moi, j'adore ça. Et en plus, je suis super forte pour les appliquer à la lettre. Bon, bah il va nous montrer l'exemple, le petit lapinou, s'il est si doué. Allez, on y va. Bien, les deux magots n'ont plus de points de vie. Mais pourquoi ne meurt-elle pas ? Oh non, une attaque kamikaze ! Saphir, active ton bouclier le plus puissant ! Vite ! Impossible, mes réserves de mana sont à sec ! Aïe. Non, on a perdu la moitié de notre équipe ! La situation est critique ! On étudie l'état de tes réserves d'esprit singulier. Je peux encore lancer une furie. Sans soigneur.
Le temps n'est plus à la stratégie. On active nos compétences les plus puissantes. Maintenant ! Ok. Situation critique, ça me connaît. Futur numéro 1. Je vous l'avais bien dit. Excellent timing. Merci. Dommage que l'autre gros luche n'ait pas vu ça. Fonctionne à nouveau. Formidable. Profitons-en pour quitter cette zone maléfique. Direction le nord. C'est par où c'est. Par là. Prenez garde, les créants. Le capitaine Jack Separo reprend la mer vers de nouveaux horizons. Ah, oh, c'est pas mal ça. Oh bah tiens, Istos, tu vas être content. Tes épaulettes druides sont tombées. Ah, génial. Il y a aussi une partie du cet assassin. Quoi, assassin ? Ne te réjouis pas trop vite, tu n'es pas le seul à jouer cette classe dans la guilde. Mais il semblerait que tu l'aies mérité. Merci. Bien, nous allons refaire cette instance à chaque reboot jusqu'à ce que le roster principal soit stuffé. Que ressens-tu à l'approche de la mort ? Tu le sauras bien assez tôt. Les mots, voilà bien la dernière arme qui te reste. Voyons ce que tes belles paroles valent face à mon pouvoir. Comment ? Impressionnant. Tu t'es servi de ma propre attaque en la déviant et en la combinant avec le flux magique d'Arkane. Les guerriers du crépuscule deviennent plus puissants lorsqu'ils frôlent la mort. Tu as prouvé ta valeur, Olydrien. Tu mérites d'être témoin de l'apocalypse. Aussi, je te laisse la vie sauve. Avant de quitter les lieux, laisse-moi t'offrir un modeste présent. Tu as fière allure avec l'armure du chaos.
Peut-être joueras-tu un rôle dans la fin programmée de ton monde. Jolie moisson! Vu comment ça a commencé, j'aurais jamais imaginé repartir avec un set d'armure complet! Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est quoi ce problème? Ça va pas se passer comme ça! C'est pas possible ça! J'ai quand même pas grossi à ce point-là! C'est du stuff niveau 100! Bah oui, je sais, et alors? Et alors? Bah t'es pas niveau 100. Oh ça va, on va pas chipoter, je suis niveau 99 3 quarts, c'est pareil. Non, mais comme ça te sert à rien, je peux t'en débarrasser. Et puis quoi encore? Si c'est qu'une affaire de points d'expérience, je les aurais bien assez tôt. Eh bah, GG à tous. Honnêtement, je pensais pas qu'on arriverait à finir la première zone dès le premier jour. Ouais, demain on va dans la deuxième et on fait carnage. Oh, doucement, les autres zones sont bien plus relevées, c'est pour les guildes HL. Tu sais, depuis que tu veux plus jouer avec nous, on a tous beaucoup progressé, hein. Pas vrai, quoi? Quoi? Mais elle est où? Ouais, le pauvre petit lapinou s'est déconnecté. Elle est trop dingue parce qu'elle a pas pu avoir son petit loot kawaii. La semaine prochaine, on refera cette zone pour elle. D'ailleurs, en parlant de loot... Ta-da! Ouais, pas mal, Sparamoule. C'est vrai que vous avez progressé. Vous êtes déjà tous niveau 100, alors que moi, j'ai pris tellement de retard, je peux même pas mettre mon nouveau stuff. T'as qu'à revenir avec nous. Et toi aussi, tu seras plus fort qu'un Roxor. Je suis pas parti, Sparadra. Je suis toujours dans la guilde, et comme je te l'ai déjà dit, on verra quand j'aurai retrouvé sur ce lame. Pas vrai. Ils sont vraiment nuls. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre. C'est pas la guilde des adorateurs de Gaïa qu'ils auraient dû s'appeler. C'est la guilde des boulets de Gaïa. Quoi? Oh, c'est encore vous. C'est pour une capture d'écran. Oh, ça va, hein. J'ai encore celle de la dernière fois. Alors, si je suis là, C'est pour un rush foireux? Non plus. Je suis juste le percepteur. Comment ça, percepteur? Vous voulez dire comme percepteur des impôts? Précisément. Vous, ne m'approchez surtout pas. À plus forte raison si vous voulez ce que je pense que vous voulez. Allons, allons. Vous n'allez pas en faire toute une histoire pour 100 000 crédits quand même. Si! Et de quel droit? Oh, mais c'est la règle de la coalition, ma petite dame. J'exige de parler à un supérieur. Alors là, pas de problème. Je suis Gaïa l'invocatrice, et j'ai demandé à parler à un supérieur. Tu l'as devant toi, parle. C'est à propos de votre raquette en bande organisée. Je refuse de payer. Eh bien, ton avatar sera enfermé dans les cachots d'Astradar pour toujours. Quoi? Mais c'est dégueu. Mais quel genre de type es-tu pour obliger toute une faction à farmer pour ton compte? C'est tout bonnement, génial. Pardon? Je voulais dire un truc méchant, mais le système que tu as mis en place est tout simplement admirable. Merci. Mais ça ne te libère pas de tes obligations pour autant. C'est eux qui m'ont nommé chef de guilde. J'ai rien demandé, moi. Tu n'as qu'à les obliger à farmer nuit et jour pour t'acquitter de ta dette? Parce que tu crois que j'ai pas passé de dette? Dans ce cas-là, où est le problème? Mais parce que ils ont zéro initiative, zéro rentabilité, ils sont empotés, ils sont aussi inoffensifs qu'une armée de têtards, et même pas capables de servir de bouclier humain. Alors il te faudra prendre tes responsabilités. Ok, tu ne me laisses pas le choix. Tu aurais mieux fait lire le règlement avant de faire ça. Bah, pourquoi? Parce qu'en quittant ta guilde dans le but de te substituer aux tribus, tu viens de t'isoler pour de bon. Isolé? Comment ça? Parce que tant que ta dette ne sera pas payée, tu ne pourras plus rentrer dans aucune guilde de la coalition. Quoi? Tu voulais rester en dehors du système? Te voilà servi. Tu es livré à toi-même désormais. Oh non, pas elle. Tiens, mais c'est l'autre macho de la guilde noob. T'as un train de retard, ma vieille. La guilde noob, c'est du passé. Vraiment? Même eux n'ont pas eu la force de te supporter? Ravale tes médisants, sorcière! Tu as devant toi le nouveau fer de lance de la guilde. Justice. Oui, mais je reconnais cet accent ridicule. Allons voir. Tu fais dans la mythomanie maintenant? Ton cas ne s'arrange pas, hein. Jette un coup d'œil à mon stuff. Tu crois que j'aurais ça sur le dos si j'étais resté avec les autres bras cassés, là? Waouh! Une vraie fashion victime! Mais j'y crois pas! Il a réussi à intégrer la guilde de justice! Oh, comment il a fait? Oh, il a forcément dû donner de sa personne avec Fantôme, je vois que ça. Bon, si tu veux bien m'excuser,
Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu n'entres pas dans les plans de Maître Zen. Attends, parce que tu crois que je vais te laisser partir? Il vaudrait mieux pour toi. Bon, si tu le prends comme ça, il faudra pas venir pleurer après. Impossible! Je te l'ai dit, avec mon nouveau stuff et les bonus que me confèrent les actes de bravoure de la Guilde de Justice, je ne suis plus le même homme. Et dire que je n'ai même pas débloqué mes compétences niveau 100. Je tenais à te le faire savoir. C'est pile poil ce qu'il me fallait. Oh, toi ? Décidément, cette route est mal fréquentée. Comme c'est gentil à toi d'avoir affaibli Nazetrimé, ça m'a fait gagner un temps précieux. C'est pitoyable, mais regarde-toi. T'en es réduite à récolter mes miettes. Eh ben, la guilde de justice, ça t'a pas arrangé. T'es encore plus casse-pied qu'avant. Je peux savoir ce que tu fais dans la coalition. C'est pas tes oignons. Bah t'as raison. En fait, je m'en fous. Quand je vois ton stuff, là, je me dis que t'as passé ton temps à faire la charognarde et... ça rien de passionnant. Ne me cherche pas trop, tu risquerais de le regretter. Oui, elles disent toutes ça. Avant de se retrouver au cimetière. Un jour, ton petit monde dans lequel les hommes sont supérieurs aux femmes s'effondrera. Ce jour-là, tu n'auras plus rien à quoi te raccrocher. Gaïa ? Quoi ? J'ai voulu me la jouer grand seigneur en t'épargnant, mais... Ah, mais tu m'as trop saoulé, là ! Oh ! Mais il semble qu'on ait gardé quelques atouts dans sa manche. Tu n'imagines pas le nombre d'items que j'ai accumulés en vue de mon passage au niveau 100. Pff, tu bluffes comme d'habitude, hein. Mais dans le doute, je vais prendre le risque de perdre mon temps dans un duel avec toi. Monsieur aurait-il quelques doutes quant à l'issue d'un tel combat? Pff, arrête de rêver. C'est juste que la guilde du 6 compte sur moi, et là j'allais voir le maître de compétences. Et j'ai pas envie de les faire attendre. Mais qu'est-ce que tu fais là à me suivre, toi? Elle est pas assez grande, la map? Je te signale que t'es pas le seul à avoir besoin de débloquer tes nouvelles compétences. Putain, c'est bien ma veine. Bien le bonjour, Lydrien. Je vois que vous avez atteint le niveau 100. Toutes mes félicitations. Ouais, bon, ça va, abrège, hein. File-moi mes nouvelles compétences, qu'on en finisse, hein. J'ai besoin de changer d'air, là, parce que... Oh, ah, hey, yo, mais pourquoi tu m'as tapé? Simple méthode d'enseignement traditionnel. La base. Mais qu'est-ce qu'on est censé apprendre quand on prend un coup de bâton dans la tronche? Le respect. C'est clair que ça peut pas lui faire de mal. Bon, toi, hein, on t'a pas sonné. Bien. Étant donné que vous êtes les seuls à requérir mon enseignement aujourd'hui, je vais pouvoir accorder toute mon attention à votre entraînement. Gaïa l'invocatrice, avez-vous bien compris ce que j'attends de vous? Mais vous êtes sûr que c'est la bonne méthode? Omega Zell est dans la faction ennemie. Il est tout désigné pour cet exercice. Je sais, mais si ça marchait pas? Ayez confiance dans votre potentiel. Quant à vous, assassin Omega Zell, êtes-vous prêt? Allume à raver la tronche? Toujours? C'est là! Là. Putain, je désintégrerai ton avatar! Ah non plus! Je déteste ces nouvelles compétences! Adieu! Ah, ça y est, c'est celle-là! Ça m'en a tout l'air en effet. Vous maîtrisez la compétence Marinetum à 100%. Vous pouvez désormais contrôler un joueur ennemi pendant 10 secondes. Gaïa, arrête ça! Disciple, faites-moi voir vos katanas niveau 100. Ah, toi aussi, t'aimes bien, t'as vu, ils sont classe, en plus noir comme mon stuff et tout. Franchement, j'aime bien, quoi. En effet. Invocatrice Gaïa, je vous offre les armes d'Omega Zell l'assassin. Comme c'est gentil! Je suis sûr que ça doit se vendre à prix d'or à l'hôtel des ventes! Quoi? Mais ça va pas la tête? Mais elle rêve éveillée, elle, tu vas tout de suite me ramener ses sabres! Quoi? Allez-y, invocatrice, je m'occupe de le retenir. C'est vraiment très aimable à vous. Je vous aurais bien proposé une petite commission sur la vente future, mais je suis bien trop radine pour ça. Allez, au revoir! Reviens ici, vu le grand lucham plumé! La vitesse est un atout essentiel de la classe assassin. Si vous voulez récupérer votre équipement, vous devez atteindre la rapidité de la foudre. Eh? Quoi? La foudre? Seule l'adrénaline peut vous permettre d'obtenir une accélération aussi fulgurante. Profitez de la situation actuelle pour vous surpasser. Mais alors cette mise en scène, c'était un exercice? Oui et non. Bah, t'en sens plus clair, là, j'y comprends rien.
Oui, car mon but était de créer un contexte propice à l'obtention de votre nouveau pouvoir. Et non, car Gaïa est réellement en train de dérober votre équipement. Quoi ? Oh non ! Par la cosse à relâcher ! Le traître ! J'aurais dû le prendre avec une commission ! Voilà ce qui arrive quand on est trop franc avec les gens. Non, il n'aurait jamais dû t'attaquer, celui que l'on surnomme la foudre des ténèbres. Beau travail. Dorénavant, vous pourrez recourir à des courses fulgurantes et foudroyantes lorsque l'icône adrénaline apparaîtra sur votre écran. Ouais, bof. Je suis un peu déçu quand même d'avoir dû expérimenter ça sur une fille. Hein. Elles sont tellement bidons que ça fausse la donne. Je peux même pas me rendre compte de ma nouvelle puissance. Ça fait 4 ans que je t'entends déblatérer les propos machistes. Et que tu traites les filles comme des moins que rien. Et allez, Black, elle nous fait une crise d'hystérie. Je viens de prendre une décision sans appel. Alors laisse-moi deviner, tu vas arrêter les jeux vidéo et te mettre au tricot. Non, je vais briser tes certitudes sur la gente féminine. Je te provoque en duel. Voilà ce que j'appelle mettre du cœur à l'ouvrage. Maintenant qu'ils sont niveau 100, ils vont me manquer ces deux-là. Maléfique, tu en as trouvé sur ce lab ? Carrie ? Oui ? Marions-nous ! Comment ? Ah, tu veux dire dans le jeu ? Oui, bien sûr ! Dans un premier temps. Mais quelle bonne idée ! Ce serait tellement roleplay ! Quelle belle façon de fêter notre découverte ! C'est clair, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? J'ai le pouvoir d'invoquer un joueur de ma faction de manière aléatoire. Mais bon, j'aurais préféré quelqu'un de plus utile. Que ? Moi ? Invoquer ? Non mais ça va pas ? Je ne suis pas un simple sbire dont on peut disposer selon son bon vouloir. Adieu, je m'en vais comme un prince. Mais je peux plus bouger ! Désormais, je suis en mesure de contrôler un avatar allié pendant 30 secondes. J'aurais cassé ton jouet bien avant la fin du compte à rebours. Si c'est moi qui me contrôler, il y aurait de la bouillie d'assassin. Astute Omega Slash, l'ultime Apollon. N'insiste pas. Le jour où tu me vaincras n'est pas encore arrivé. Oh, mais aujourd'hui est un jour spécial. Un jour spécial ? De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, lui, Mars ? C'est la journée de la femme. De quoi ? Bon, Arthéon, tu es vraiment sûr et certain de vouloir te marier avec la vilaine Carrie ? Sois pas bête, Sparadrap, bien sûr que oui. Es-tu au courant qu'un mariage sur 3 se conclut par un divorce dès la première année ? Ah bon ? Tout à fait ! Mon papa prêtre dit que c'est super horrible pour tous ces couples. Après, ils ont le cœur méga déchiré. T'aimerais pas que ça t'arrive, hein ? Ouais, mais entre Carrie et moi, c'est différent. Elle et moi, c'est pour la vie. Mais tu m'aides pas du tout, là ! Je sais plus quoi te dire pour t'empêcher de t'en aller pour de bon. M'en aller ? Non mais attends, c'est pas parce que je vais me marier que tu me verras plus. Je parle de ton implication dans la guilde. Tu étais la personne qui nous reliait tous. Et en nous abandonnant, tu nous as tous...
Où l'aide? Alors elle est prête l'artéfiote? Elle s'est fait belle pour son grand jour. Ah Golgotha, bah c'est bien, tu t'es déguisée en fille aujourd'hui. Bon, en tout cas c'est gentil à vous deux d'être venus. Non mais tu rigoles, un événement aussi kawaii. Non mais c'est immanquable. D'ailleurs on n'est pas les seuls. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a plein de curieux qui veulent savoir si la rumeur est fondée. Quelle rumeur? Bah oui, à cause de la légendaire épée sur cela. On raconte partout sur les forums que tu l'aurais looté. C'est le cas en effet, on a réussi à démêler le vrai du faux, à percer les énigmes des développeurs et à la localiser. T'en as de la chance, tu vas pouvoir botter des culs avec ça. Je n'en aurai pas l'occasion. Je compte l'offrir à Carrie pendant la cérémonie pour lui témoigner mon amour. Quoi? Mais t'es fou! Rappelle-toi à l'époque, t'avais acheté des crédits pirates avec ton ancien avatar pour avoir une super jolie épée. Et maintenant que t'en as une, tu veux la donner? Mais t'es fou. J'ai d'autres priorités désormais. Ne crois pas que notre affrontement est équilibré. Je fais simplement durer le plaisir. C'est toujours pareil avec le poseur raté. Il parle beaucoup trop. Ah ouais? Tu le prends sur ce ton? Dans ce cas, fini de jouer. Tu te réveilles un peu tard. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? S'y frappe pas. La foudre des ténèbres, dit-il, avant de perdre contre une fille. Tu peux m'expliquer comment t'as fait pour ressusciter et contre-attaquer aussi vite? Ne prends pas tes rêves pour une réalité. Je ne suis morte à aucun moment. Tu mens! J'ai vu ton avatar exploser. Rectification, tu as vu une invocation à mon effigie se dissiper. Ce n'est pas la même chose. Peu importe tes tours de passe-passe, je te tuerai jusqu'à ce que tu sois morte. Si l'espoir fait vivre, alors tu es immortel. Je ne sais pas comment je vais te vaincre, hein. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Tu me fais corrompre mon esprit sanguinaire. Adieu, Madame l'Emplumée. Ah mais c'est pas vrai! Comment un DPS distance peut tenir un DPS K qu'un combat rapproché? Avec des items particulièrement onéreux! Génieux! Ah, t'as boosté tes compétences à l'aide de parchemins enchantés! Si ces insectes ont réellement mis la main sur Source Lame, alors il deviendra impératif de ne plus négliger les rumeurs sur Internet. Parfaitement. Il est inadmissible de laisser des items légendaires entre les mains de nos ennemis. Excusez-moi, j'ai eu un léger contretemps. Dis-moi, fantôme, tu as encore beaucoup de dettes à honorer? Pourquoi dis-tu ça? Oh, je ne sais pas. Ah, peut-être parce qu'on est en train de perdre notre temps à un mariage in-game au lieu de rattraper notre retard au classement. La guilde nous m'a aidé. Il est normal que j'assiste au mariage de leur chef. Silence, je vous prie. Nous sommes de corvée de mariage. Les grands alchimistes que nous sommes vont assurer cette cérémonie contre leur gré, sur les ordres de Cain Lucans. Quelle perte de temps. Pourquoi nous punir de la sorte? Je ne comprends pas non plus. Nos insultes suite à son refus d'augmenter le financement de nos recherches étaient pourtant méritées. C'est de l'abus de pouvoir. L'amour est une forme d'alchimie, a-t-il dit. Vous financerez vos recherches en faisant un mois de mariage. Quel non-sens! Enfin bref, finissons-en. Que le marié se présente! La rumeur était fondée. Quel gâchis! Il tient bien une pièce unique. Je n'avais jamais vu cet item auparavant dans le jeu. On raconte que cette arme évolue avec son porteur. Intéressant. Il va falloir que je convainque Tenshirok de me pirater son compte. Et à moi, sur ce lame. Bien. Et maintenant, la mariée. Allez hop, finissons-en. Spectre? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? On dirait que je ne suis pas seul. À vouloir observer sur ce lame de mes propres yeux. Bien, à ma droite, Arthéon, guerrier de l'Empire. Et à ma gauche,
Kari, druidesse de l'ordre. Très bien, faisons la version courte, nous n'avons pas toute la journée. Bla, bla, bla. Et donc, par les pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons donc... Ce n'est pas fini! Je te signale que t'as qu'un seul point de vie et zéro esprit sanguinaire! Je peux en dire autant de toi, Moru! Faux! Il me reste suffisamment de mana pour une ultime attaque! Je ne t'en laisserai pas le temps! Mon ordinateur a lagué! J'ai freeze! Arrête de mitonner et accepte ta défaite! Reconnais que les filles sont meilleures que les garçons aux jeux vidéo! Jamais! Jamais je n'admettrai l'inadmettable! Vraiment? Pas même devant tous ces témoins? Fantôme, spectre, la guilde justice, la guilde Roxor, c'est un cauchemar! Non! Quel coup de maître! Faire mordre la poussière à ce sale macho devant autant de témoins, c'était inespéré! Ah, il pourra plus jamais dire que les filles ne savent pas jouer! Interrompre une cérémonie sacrée! Il n'y a plus aucun respect de nos jours! À qui le dis-tu? Où en étais-je? Ah, oui, nous vous déclarons... L'heure est venue, Olydrien. Quoi? Encore? Battez-vous! Luttez autant que vous le pourrez au nom d'un espoir illusoire. Combattez la quatrième faction menée par Sarazar. Découvrez les puissants venus de mondes dont vous ignorez l'existence. Surpassez-vous jusqu'à ce que l'apocalypse vous consume. Ça commence. Enfin. Un event majeur? Quoi? Vous étiez au courant de cette mise à jour? Non! Les développeurs n'ont rien laissé filtrer! Il n'y a pas une seconde à perdre! Oui, allons-y! Vite, allons-y avant que la guilde de Roxor ne rafle toutes les nouvelles quêtes! Vincent! Hey, attendez! Oula, tout ça ne me dit rien qui vaille. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Il y a une autre sortie de l'autre côté! Allez, à tout à l'heure! Kari, mais où est-ce que tu vas? Mais je vais voir ce qui se passe. Ça va être génial. On va apprendre des tas de nouvelles choses sur le background d'Olydri. Mais, et notre mariage? Oh, laissons ça de côté pour le moment. Quoi? Ce n'est qu'une cérémonie roleplay pour rigoler. Alors que ça, c'est un nouveau chapitre. Maintenant qu'on a trouvé ce l'âme, ça va être génial de se lancer dans une nouvelle quête inédite. J'ai hâte. Allez, à plus tard, Artie. Maintenant que j'y pense, je me demande pourquoi je cours dans cette direction. Est-ce que quelqu'un sait par où il faut aller pour rejoindre l'event? Les copains, vous êtes toujours là? Zut alors, pourquoi personne m'a suivi? Ils sont donc pas confiance en leur chef de guilde? En même temps, c'est ma faute. Je suis parti sans réfléchir. Je ne suis pas digne de leur confiance. Pour la peine, je vais apprendre la carte de l'Olydri par cœur pour être aussi fort qu'Artéon en géographie. Où je vais, moi, maintenant? Voyons voir si Artéon a une vie très bonne sur le canal de guide. Pas de réponse. Tant pis, je vais partir à leur recherche. Hé hey, roi précieux! Ah, je t'avais pas vu, c'est normal, j'ai pas Dieu derrière la tête. Dis-moi, est-ce que tu saurais où se trouve le reste de ma guilde? Mais oui! Bonne idée! On va faire un feu d'artifice d'incantation pour que les autres puissent nous voir de loin. Comme ça, ils viendront à notre rencontre. Attends, je vais t'aider. Moi aussi, j'ai plus de mana. Et les autres sont toujours pas arrivés. C'était pourtant une bonne idée, hein. Et puisque je vous dis que Sparadra est un faux noob.
C'est un PGM déguisé en débile mental. Des preuves. Vous faites poutrer sur toutes vos captures d'écran. Mais évidemment qu'on sait poutrer. Notre job, c'est de tuer du noob et du newbie. On n'est pas censé attaquer des joueurs d'élite. Tu me fatigues, Dark Avenger. Et toi aussi, précieux. Au lieu de passer votre temps à vous plaindre, allez plutôt monter vos niveaux et réduisez ce prêtre en cendres. Sérieux, vous êtes la honte de notre faction. Et toi, arrête de faire le lèche-botte. Non mais arrêtez, là. Vous vous laissez abuser par les apparences. C'est comme si Fantôme, alors qu'il est imbattable, s'amusait à jouer le noob. C'est tout. Tu compares ce noob à Fantôme? Je suis très sérieux. On dirait que c'est de la chance, mais c'est un fin stratège qui s'est passé par un noob. C'est tout. En admettant que tu dises vrai, quel intérêt aurait-il à faire ça? Ou alors, c'est un agent double de la guilde de justice. Pas bête. Comme ça, personne ne se méfierait de lui et il pourrait espionner l'ennemi plus facilement. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mais c'est pourtant logique! Ça suffit! Vous me faites perdre mon temps. La solution est simple. Soit vous lavez votre honneur et vous ridiculisez ce prêtre, soit vous continuez à humilier ma faction et c'est moi qui m'occuperai de vous personnellement. Je ne comprends rien, mais rien de rien à ton charabia. Quoi? Tu veux jouer à Attrape Smourbif? Attention, je suis Magata. Quelle étrange sensation. Pour la première fois, je me sens... comment dire... apaisé. Vraiment? Alors vous avez réussi. Vous avez outrepassé votre colère. Tu as raison, Elix. Je n'en veux à personne. Je n'éprouve plus le besoin de passer mes nerfs sur qui que ce soit. C'est comme si le feu qui consumait mes tripes s'était éteint. C'est triste pour toi, mec. Moi, par contre, je suis chaud comme la braise. Valentin, arrête de déconcentrer Maître Zen. Pardon, mais c'est juste que j'étais en train de penser à cette fille. Laquelle? Dès que tu en croises une, tu tombes amoureux. J'arrive plus à suivre. J'y suis pour rien. Mon être tout entier n'est qu'amour. Elix, je commence à ressentir une pointe d'énervement, là, juste là. Il faut faire quoi? Ok, vous êtes en train de perdre votre zénitude. Respirez lentement, profondément. Voilà, c'est ça. Ah voilà, ça va mieux. Je me sens de nouveau aussi léger qu'un nuage. C'est toi qui viens de nous attaquer? Mais t'es un grand malade, ma parole! T'as failli me décoiffer, mec! C'est combien j'ai de casquets pour cette coupe de beau gosse? Cette fois, vous êtes allé trop loin avec vos plans tordus! Ouais, mais de quoi tu parles? Je parle de Carrie! De quoi? De Carrie? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as mal aux dents? Ne fais pas l'innocent, hein! Tu sais très bien de quoi je veux parler! Hé, le guerrier, tu es en train de saper des mois de travail! Retourne d'où tu viens et laisse Maître Zen reprendre sa séance de yoga! Ouais, elle a raison. Dégage le plancher maintenant. T'es en train de boucher mes chakras. J'ai pas envie de me battre avec toi, Arthéon. Je suis peace and love maintenant. Que tu magouilles pour détruire l'Empire passe encore, c'est une bonne guerre. Mais tu n'aurais jamais dû utiliser cette fille pour jouer avec mes sentiments. Une fille? Laquelle? Je la connais. Sur le papier, c'était bien joué, hein. Me forcer à me détourner de la guilde noob. Mais le problème, c'est que cette fille, moi je l'aimais vraiment. Non mais attends là, tu commences à me gonfler avec ta Carrie. Je t'ai dit que je la connaissais pas, cette gonzesse. Tu comprends quand je te parle ou pas? Carrie? Inconnue au bataillon. Mais quel beau pseudo. Rien que de l'imaginer... Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Odeska, range tes hormones. Et vous, Maître Zen, reprenez votre séance de respiration. Vous êtes en train de laisser votre sérénité s'échapper. Non mais je sais, mais j'y peux rien. C'est lui qui me cherche. Il m'accuse d'avoir fait un truc à la con, là. J'y comprends que dalle. C'est un malentendu. On va arranger ça. Fermez les yeux et visualisez votre paix intérieure. Sinon, vous allez encore faire le contrôle et faire n'importe quoi. Ouais, j'essaie de me resénéifier là, mais c'est pas simple, hein. J'ai reçu son indifférence en plein cœur. Ta machination a détruit une partie de moi. Tout ça pour récupérer ta foutue guilde. Attends. Tu parles de la guilde de nous, là? Mais j'en ai rien à carrer de ta bande de nazes. J'en ai une nouvelle qui est bien mieux. De bande de nazes? Mais non, de guilde, triple idiot! Valentin, ne jette pas d'huile sur le feu. Sache que ma décision est prise. Tu n'auras jamais la guilde noob, tout comme je n'ai pas pu avoir Carrie, et même si ça doit te détruire! T'as raison, hein. Il nous écoute même pas, le gonze. Il est en plein monologue. Ah ouais, t'as raison, j'ai remarqué, là. Faut pas savoir comme ça m'énerve, ça. Il débarque, il est chialé comme une gonzesse, il nous accuse de je sais pas quoi. Non, mais je...
T'es ok? Pourquoi il s'est figé comme ça? Oh non, c'est une catastrophe. Il a disjoncté. Oh oh, il m'a gavé! Plus rien ne pourra m'atteindre. Je ne resterai pas enchaîné à mon passé. Je briserai mes liens, un par un. Comment cela a-t-il pu se produire? On avait le même niveau. Cette fois, il ne pourra pas se trouver d'excuses. Le même type de stuff. Bon, c'est vrai que ce combat m'a coûté cher en item, mais c'est un investissement sur le long terme. Et il a fallu qu'elle me porte le coup de grâce devant Phantom. Quand je repense à la tronche qu'il a tirée devant tous ses témoins, ça vaut tous les crédits du monde. Non, plus je suis sûr qu'elle a tout filmé. Déjà 100 000 vues sur le blog de Gaia.com. Cette vidéo va me rapporter une petite fortune. Ah, je parie que la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Il faut que je pense à faire de la pub sur tous les forums, les chats et faces de plouc. J'ai déshonoré mon statut de mâle. Je ne suis pas digne de la gente masculine. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai fait honneur à la journée de la femme. J'ai perdu toute crédibilité. À la moindre remarque déplacée, je le rappellerai qui c'est le patron. Tout est fini. C'est le début d'une nouvelle ère. Il ne me reste plus qu'à quitter définitivement le monde des jeux vidéo en ligne. Si tu veux mon avis, ce serait du gâchis. Phantom ? Ta réaction est un peu disproportionnée, non ? Saphir t'a vaincu autrefois, et si j'ai bonne mémoire, c'était même un one-shot. Ouais, mais là, ça comptait pas. Nos stuff et nos niveaux, ils étaient pas comparables. C'est une réponse pertinente. Allez, ça va, te fatigue pas. Je parie que c'est elle qui t'envoie en plus, là. En m'humiliant, j'ai humilié la guilde de justice. Écoute, je vais aller lui présenter ma démission, et après, ben, je débarrasse le plancher. Démission refusée. Quoi ? Perdre contre une fille n'a rien de déshonorant. Il n'y a que toi que ça dérange. Ce qui compte avant tout, c'est la valeur de l'adversaire. Attends. T'es en train de me dire que Gaia est une joueuse de haut niveau ? À sa façon, oui. Alors certes, c'est pas une foudre de guerre, mais c'est le plus grand stratège que je connaisse dans l'art de la survie. Ah, ça me déprime encore plus d'entendre ça. Bon, oublions toute cette histoire. On a localisé les vannes principales et ça se passe du côté de Glace 100. Il faut que tu t'y rendes de toute urgence. Et toi, tu viens pas ? Non, je dois aller débloquer une classe assez spéciale en vue de mon duel contre Spectre. Mais je ne me fais pas de soucis. Après tout, le futur numéro 1 sera déjà sur place. Oula, j'ai l'impression que ça se gâte. Il est temps de trouver une planque. Précieux, je vais t'attraper. Je suis imbattable, attrape Cosmopi. Zut! J'aurais pas dû me précipiter, je suis partie complètement à l'opposé. Oh! Kiko, Arteo, tu es venu me chercher? Dis donc, hein, il est balèze ton stuff niveau 100. C'est celui du donjon du chaos. Par contre, ne le prends pas mal, hein, mais il fait un peu peur. C'est pas très kawaii, hein. Où sont les autres? T'es pas au courant? Ils ont localisé l'event principal, ça se passe vers Glace 100. Glace 100, très bien. Eh, mais attends-moi! Garde tes distances, Couette! Hein? Mais pourquoi ? Parce que sinon, je serai obligé de te réduire en poussière. Lol, t'es bête. Pendant un instant, j'y ai cru. Hein. C'est quoi cette image de malade ? Il en reste de partout ! Je me fais du souci pour Gaia. J'espère qu'elle est en sécurité. Ah mais attends, j'ai une idée. Ah, quel calme. Cet endroit est la planque rêvée pour échapper à l'apocalypse de la dernière mise à jour. Je redescendrai quand tout sera terminé. Où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça a marché! Grâce à ma pierre d'invocation, je peux appeler un joueur allié par jour à mes côtés. Vous êtes en sécurité, ne vous inquiétez pas. Tu m'as fait quoi? Tu m'as téléporté dans cet enfer! Pardon de vous avoir dérangé dans votre méditation, déesse salvatrice! Sombre idiot! Mais comment je vais y retourner maintenant? La ville est assiégée par la faction du chaos! Ah mais c'est pas vrai! J'ai même pas le temps de bouffer! Ah impossible! J'ai plus de sorte de zone opérationnelle! Ce n'est pas notre cas. Quoi? Comment osez-vous pénétrer dans la capitale de la coalition? Quel accueil! Vous pouvez montrer un peu de reconnaissance pour vos sauveurs? Non mais ça va pas! Au nom de quoi l'Empire viendra nous aider? La coalition est la première puissance de l'Hydrie à être affiliée à la vie et à la mort.
Si vous tombez, nous perdons la guerre. Mais ne vous méprenez pas. Cette intervention est purement stratégique. Contrairement à votre capitale, Santalis est hors de portée de l'ennemi grâce à son bouclier. Ça nous laisse donc le champ libre pour pallier à votre incompétence. Tu vas voir si on est des incompétents, espèce de sac. Tu veux voir? Quel courage, Pichon! Ah, quelle belle journée pour relancer le plan Noob. Yo! Salut H. Toujours en train de farmer pour refourguer ta Camelot à ces pauvres joueurs addicts en quête d'une gloire éphémère. T'as pas honte, franchement? Non. Hé, hey, oh, Théon, trop cool ton stuff, hein? Hé, hey, t'es passé niveau 100? GG. Ouais, c'est ça. J'ai une annonce à faire. J'appelle Justice! Puis-je une requête de la flotte importance? Parlez, joueur Arthéon! Mais Arthéon était pas censé être traumatisé par les maîtres du jeu? Tout ne m'approche pas, hein? Maître du jeu, en l'instant, en tant que GM, je déclare que la guilde de Noom n'a plus de raison d'être! Je décide de la dissoudre sur le champ! Qu'il en soit ainsi! Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça, Théon? Qu'est-ce qui t'a pris? J'efface tout ce qui me rattache à mon ancienne vie. Mais la guilde de Noom, c'est le lien qui nous unissait tous! Justement! Nos liens sont brisés! Et qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous avez eu votre chance. J'ai tout fait pour vous apprendre la notion d'esprit d'équipe, mais vous m'avez fait perdre mon temps! Tout comme j'ai perdu mon temps en croire en l'amour de Kari! Vous m'avez tous manipulé! Les sentiments d'amour et d'amitié sont pour les faibles! Désormais, je serai un solitaire qui puise à sa force dans la colère! Je ne vois qu'une seule façon de te ramener à la maison. Amour, amitié, trahison, tant de sentiments gâchés dans un monde virtuel. N'aurait-il pas mieux valu les vivre pleinement dans le monde réel? Je savais que t'avais un grain, mais là, t'as vu les proportions que ça prend, rien que dans le jeu? Où veux-tu en venir? Mais si ce mec avait vécu une déception amoureuse irréelle, il se serait coupé les veines. C'est une réflexion intéressante, H. Ça mérite réflexion. Comme je te disais, je suis tombé sur un nid de smourbif et là j'ai pu tout refaire la garde-robe. Les bottes pour ma femme en smourbif, le sac en smourbif. T'as vraiment ah, sans pitié. Et oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est la légendaire balle de Kergmol de Flux Ball! Elle donne plus 57 en charisme! Ah, et vous là, ramenez le ballon! Tu reprends ma balle, je te pète un bras! Putain, mon gamin. Vous avez de la chance, vous savez. Vous êtes en face des meilleurs joueurs d'Horizon 2.3. Revenez, nous n'en avons pas terminé. Maintenant! C'est l'heure du duel! Bob, tu lagues. Oui, oui, je sais, je télécharge des fichiers. Important. À moi, les pyrobarbares! T'as vu, ils sont taillés comme des informaticiens. Ramenez-vous, les danseuses. Putronias. Ah ouais, les sacs à bière. Eh ben nous, on a une âme plus pure que le métal et un cri de guerre. Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. À nous, les terribles barbares du Piro-Piro qui descendons de la Sierra vers Polaris. Piro! Avec nos stuff de rock-sort arrachés au plus grand boss de l'Unerie. Piro! Nous, les terribles barbares du Piro-Piro, poussons notre terrible cri de guerre! Ouais! J'ai dit terrible cri de guerre! Ouais! Mieux! Parce que Piro-Barbare! Ouais! Parce que Piro-Barbare! Ouais! Parce que Piro-Barbare! Roulez-moi! Ouais! Tuez-les! Non, non, mais attends! On peut y aller comme ça! On passe par quoi, nous? Ça voit du lourd, hein? Faut prévoir un truc! Attends, j'ai une idée! Galitaï! Galitaï! Kaboom! Kinam Kamate! Kamate! Kaola! Kaola! Kamate! Kamate! Ah ouais, c'est vachement impressionnant quand même! J'ai jamais aimé la Macarena.
autre. Bien. Le premier qui marche vient de son cadavre. Aujourd'hui, ils vont comprendre le sens véritable de la combustion spontanée. On est censé stopper, Forbes. On va lui servir d'escorte. Comme si on avait le choix. On le tape depuis de l'instant, il bouge pas, le gonze. Écoutez-moi bien. La ville de justice m'a confié une mission. Je dois stopper Fabrice. Pendant que défend la cité. Je ne peux pas le jouer. Ouais, mais bah, pendant lui retourner avec Julia, parce que c'est tout ça, non? Je vous ai laissé une chance de me stopper. Maudissez votre impuissance, car elle vous mènera tout droit au chaos, mais aussi au bout. Tu joues un jeu dangereux, Sparadra. Ce n'est pas en m'isolant que tu me convaincras de faire machine arrière. Tu n'es pas lucide. Tu réagis mal à une histoire d'amour, c'est tout. Je veux juste limiter les dégâts le temps que tu sois plus calme. Pas lucide, moi? Mais au contraire, toute cette histoire m'a ouvert les yeux. Mais sur quoi? Sur le fait que les autres ne m'ont jamais rien apporté de bon. Mais... À l'époque, quand j'étais dans la guilde de justice, la pression était tellement forte qu'ils m'ont poussé à tricher pour rattraper mon retard. J'ai déjà tout perdu une fois. Oui, mais nous... On n'y était pour rien. Et Maître Zen, tu te souviens de Maître Zen? Il m'a kidnappé IRL pour récupérer sa foutue guilde. Tout ça parce que j'étais devenu GM malgré moi. Oui, c'est vrai que c'était pas super cool de sa part. Et puis il y a eu Kay, cette manipulatrice qui a joué avec mes sentiments et qui n'en avait rien à faire de moi. Là non plus, c'est pas notre faute. On a même tout fait pour que tu reviennes dans la guilde Noob. On était copains, tu sais. Foutaise! J'ai dépensé une énergie folle pour vous faire avancer sur ce foutu jeu, mais ça n'a jamais rien donné! Mais quand même niveau 100! Après tout ce temps, oh mais quel exploit! Mais constate par toi-même, tu n'as même pas retenu un dixième de tout ce que je t'ai enseigné! Gaïa a passé son temps à piller le coffre de guilde et elle s'est barrée! Omega Z s'est servi de nous, le temps de trouver mieux! Et je ne te parle même pas de leur dispute incessante, ni de ton incompétence qui aurait fait craquer plus d'un maître de guilde! Tu le penses vraiment? C'est un fait, Sparadra! J'ai tellement donné de ma personne que je me suis retrouvé en échec scolaire et même en internat! Tout ça à cause de vous! Mais non, je... Laisse tomber, Sparadra. Oublie un peu ton monde de Kimov et de Smourbif. La réalité est tout autre, et dans cette réalité, Arteon n'existe plus! Comme je te l'ai dit désormais, je serai un joueur solitaire, animé par la haine et la colère. Fini la déception, fini la souffrance, fini la rancœur! Tu viens de dire que j'étais incompétent et que j'avais pas retenu le dixième de ton enseignement? Eh bien, pour commencer, je vais te démontrer le contraire. Ensuite, je te prouverai que tu te trompes sur toute la ligne. Et crois-moi, pour te remettre les idées en place, j'utiliserai la force s'il le faut.